tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Louis, là je raconte. Passer ma semaine, moi. Je constate que Louis, c'est devenu un chum, pour vrai. Okay? Oui, c'est on s'entend bien. Je, ouais. Plus qu'on s'entend. Là, il y a une genre, ouais. Ben, tu vois, je parle pas moi, là, je veux pas t'en mettre dans la gueule, là, tu sais. Mais, tu sais, on développe puis, de quoi. Je t'aime beaucoup, puis je te respecte. Oui, c'est de sorte que, ça. Quand je t'écris des textos, puis tu me réponds pas, je me dis, ben, écoute, il est dans le jus, ses enfants ont de quoi, je le harcèlerai pas, tu sais. Fait que toute la semaine, tu sais. Moi, j'écris, moi, je donne de l'amour. Je donne de l'amour, mais réponds pas. Puis, puis je le texte la semaine. Je le texte la semaine passée. Peux-tu m'envoyer le numéro de Sacha? Faut que je l'appelle pour la journée. T'es encore jeune, tu sais, j'aurais besoin. Réponds pas. Bon, tabarnak, il se prend pour un autre, tu sais. Là, il est en train d'écrire son scénario. Là, il m'envoie une photo qui écrit son scénario. Puis je suis pas trop. On part là-dessus, tu sais. Ben, c'est ça. À un moment donné, on est en texto avec Steph Rochon. Mais tout ça part d'un texto où tu étais un peu insolent. Ben oui, mais tu m'as agacé. Et j'ai dit, non, j'endurerai pas ça aujourd'hui, je te bloque. un texto du genre, j'irai pas voir ton show, ou j'irai pas voir ton film, puis anyway, tu sais, une affaire de même. Fait il me dit, je vais te bloquer. J'ai même pas vu ce texto-là. Peu importe, il me bloque pour vrai. Passe à d'autres choses dans sa vie, mon gars. Fait que pendant une semaine... Je l'ai bloqué, mais j'ai oublié que je l'avais bloqué. Mais qui bloque du monde pour vrai, un? Lui. Puis, tu sais... Vous êtes bloqué par Louis Morissette. Non, tu ça. Non, ça marche pas. Ça dit pas. Fait que là, je... Merci, Nadja, man. T'as jamais bloqué personne, hein? Non. Juste avant qu'on rentre en onde, là... J'ai pas... Personne qui me harcèle comme ça. Je suis pas un sportif. Maxi a lancé une très bonne question. C'est parce que tu m'écrivais. Je te répondais jamais. Puis, bonne question, là. À quel moment tu t'es dit... Coudon, il me répond jamais à mes textos. Non, je respectais ton silence. Donc, présumais que t'étais occupé. J'ai eu un accident de moto jeudi. Je t'ai tendu la main en disant « Hey, d'autres, j'aurais besoin mais de... » ça... Pas un mot, man. Mais c'est l'affaire que je me suis fait... Quand Véro me dit ça, parce que c'est Véro finalement qui a pris mon téléphone... Il s'en calise tout, il s'en calise pas à ce point-là, Véro prend mon téléphone, elle dit « Tu l'as bloqué, puis... » Ah, c'est vrai, je l'ai bloqué, j'avais oublié. Mais tu t'es fait mal, toi? Ouais, puis c'est une niaiserie, là. Tu sais, j'ai poussé là, jusqu'à la limite là, d'utiliser ma moto à Montréal. Ouais. Mais des feuilles mortes, là. Mon cul est parti, là. T'as glissé. Oh. Ouais, sur Saint-Urbain. Des petites tonneaux. Puis ouais. Puis il n'y a pas d'auto qui t'ont sifflé les oreilles. Non. Puis j'allais animer mon show de radio. Puis c'est là, ces jours-là, où est-ce que j'avais pas d'invité. J'aurais voulu avoir Sacha. Tu me répondais pas. J'étais en tabarnak. Ça m'aurait fait plaisir. Ouais, ça m'aurait aidé. Je voyais pas clair. J'ai embarqué dans mon char, j'allais faire mon show de radio. J'avais comme les genoux en sang, man. Pour vrai, c'était un film, là. Puis finalement, je passais ma semaine. Puis j'ai fait le Deux Hommes en Or le soir. Puis je pense que ça a kické. Je pensais que j'étais correct samedi, puis là, whoop, je suis de retour à être un peu mélangé, mais ça va, là, man. Mais tu sais, pour demain, merci, j'ai d'autres amis. Mais tu parles de ta tête, que... Je sais pas, mon casque, il était correct. Quand je suis sorti, tu sais, comme, je me suis relevé, je pense que j'ai perdu un petit bout, mais mon casque, il n'y a pas de poc, il n'y a rien, tu sais. Tu roulais combien? Ah, j'étais une chance, j'étais pas vite, j'avais être maximum 40, là. Mais quand même, c'est 40 km/h. Oh, ouais, mais tu sais, c'est. Puis des fois, t'as pas besoin d'avoir une marque sur le casque, là, juste tu le. Tu penses, le whiplash, là. Ouais, c'est ça. Au football, là, des fois, ça t'en prend pas gros, puis c'est juste mauvais contact. Le pire, c'est quand tu le vois pas arriver. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que si tu le vois pas arriver, comme quand tu peux le voir, tu peux brace, mais ouais, si c'est derrière de tête, puis tu le vois pas arriver. Parce que tu sais, j'ai mal là, en masse, là, tu sais, comme. Mais. Fait que tout ça à cause de toi. De Louis. Ouais, tout ça à cause de moi. Ben, dans le fond, tu sens-tu ça. Mal? Pas tellement. Non. Mais... t'as mené, c'est le destin, tu sais, mané. Le fameux destin. Le karma. mais tes genoux sont corrects, t'es ça, j'ai une bonne plaie sur le genou gauche, j'ai tu sais, le fameux claquage sur une cuisse droite. Ouais, ouais. Puis un bon, là. Puis mon poignet droit, en fait, mon pouce droit, là, il est pas si pire, tu sais. Mais pendant 3 jours, il pliait plus. Fait que là... Ça allait à l'urgence, même? Non. Ah, OK. Parce qu'on a une vie, là, puis au Québec, on peut pas se permettre d'aller à l'urgence, mais... t'as pas 2 jours à perdre. Non, exact. T'sais, d'ailleurs, j'ai regardé la liste d'aujourd'hui, là, c'est 75 heures d'attente dans le coin anyway. Royal. Là, ce place-là. Mais le soir, à 2 hommes en or, je recevais le docteur Chicoine.
Ouais, OK. Que je me suis permis de faire une coupe. Exactement. T'as donné une suce puis du sirop. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. À peu près ça. Mais il m'a dit de faire attention. Je fais attention. Mais c'est un pédiatre. Ouais, c'est ça. Un Mac, là, tu sais. C'est ça, man. Ah! Fait que voilà, c'est, voici. Là, t'as vraiment tiré, hein? T'as la moto, t'es... Elle est finie, là. Tu scrap, la moto? Ah ouais, elle finirait. Ah, elle scrap? Ah ouais, elle finirait, man. Genre, au point que tu l'as laissé là, puis t'as marché jusqu'à la radio? Écoute, j'étais pas loin de chez nous. Fait que le gars qui m'a aidé l'a mis sur son pied. Je suis parti à la job tout de suite dans le char. Mauvaise idée, là. Je me rappelle même pas comment je me suis rendu à Radio-Can. Mais quand je suis revenu, j'étais allé la rechercher. Puis, tu sais, le volant est complètement crook. Puis après ça, il avance plus, là, elle répond plus. Je pense que, tu sais, comme c'est des freins à disque, là, j'ai l'impression qu'il y a un frein qui est jammé, là, tu sais. OK. Ouais, fait que c'est ça. Une vraie affaire. Ça va être neuve. On verra comment ça va se passer. Ah, c'est une fois que je voulais aller chercher mon permis de moto, tu sais, de me convaincre de jamais faire ça. C'est ça l'affaire. Ben, c'est que, tu sais, moi, c'est une moto, j'ai la même moto que lui. C'est une moto électrique. Tu fais de la moto? C'est assez près. Oh, ouais, moi, je fais de la moto. Ouais, j'ai un permis de moto depuis une vingtaine d'années, mais je suis plus princesse que lui. C'est-à-dire que moi, quand il y a trop de roches au printemps, quand il y a des feuilles, quand il fait trop froid, parce que froid fait que la chaussée adhère moins. Ah, ouais, non, t'as raison. J'en fais plus. Mais là, vous allez pousser longtemps, mais c'est une journée de trop. Là. Ça a été la journée de bête, clairement. Là. Mais ben, tu sais, je n'aurais pas fait cette semaine pareil. Mais c'était devant toi toute. Je me souviens pas, pour être honnête. Pense il n'y a que pas d'auto. La moto n'a pas frappé une voiture? Elle a roulé en dessous, d'ailleurs. Elle a roulé en dessous d'une voiture. Aucun souvenir de Charles. Fait que... Ouais, c'est ça, il n'est pas sorti. Il n'y a personne. Non. C'est Montréal. Hein? Personne n'est venu t'aider. Il y a une personne qui est venue m'aider, mais j'ai aucun souvenir de la voiture, de la moto qui est en dessous de la... Mais ma barbe m'a sauvé, là. Ah non, ben les gens ne veulent pas t'aider. Non, mais j'avais un casque, un full face, c'est quand même. J'avais un full face. Une chance, j'avais un full face, d'ailleurs. Tu sais, il y en a qui sont en scooter avec son petit casque, là. Ouais. Ça se peut pas, ça. C'est quelle sorte de moto? C'est la même moto électrique comme celle de Louis, là, qui fonctionne super bien. Ouais. Que j'adore et qui maintenant ne peut plus rouler. Fait que ça, c'est fait. Hey, on a une commandite aujourd'hui. Oui. C'est vrai? Oui. Est-ce que c'est la boulangerie du pain dans les voiles? Oui. Puis ça, est-ce que c'est Laurent ou toi qui les a fait? Non. Ah. Non, Laurent fait des bols. Vous avez-vous des bols en bois? Non, on a laissé faire les bols, là. On a forgé des croissants. OK. Parle dans ton micro, là. On a des amandines, on a des scones, on a des chocolatines, mais j'ai madeleine. Mais attends, là, ça, c'est frais du jour ou vous passez le vieux stock? Frais du jour. OK. Parce qu'il aurait pu passer le vieux stock, tu le sais. Ouais. J'ai demandé pour le vieux stock. J'ai demandé pour le vieux stock. Ça va être bien correct. ça fait que ça, c'est notre commandite du jour. Peut-être qu'on va avoir un vrai commanditaire, là. Ah oui, OK. Ça, c'est drôle, hein? Payé? OK, la semaine passée. Peux-tu peut-être regarder la télé un peu, Marc-Antoine? Non. OK, on le présente la fois comme tu faisais partie de l'équipe. Tu faisais partie de l'équipe. Depuis deux semaines, il est plus à la TV que tous nous autres ensemble. Fait que tout le monde le connaît. Exact. Ah, ben, gars, je vais te laisser faire ta job d'animateur. Vas-y, te présente-le. Bien. Alors, ici Marc-Antoine de Coin. C'est vrai que ta face est partout, mon gars. Premièrement, félicitations pour la Coupe Grey. Merci, mon gars. Le poster boy des Alouettes. Oh, oui. Félicitations pour ton discours. Très sincèrement, ça a fait... C'était fantastique. Discours contrôlé. Exactement ça. Là, parce que pour vrai, ultimement, on a gagné la Coupe Grey. Ça aurait presque pu être une deuxième nouvelle. Mais grâce à ton discours, on l'a surfé, man. Tu ne regardes pas cette TVA, il n'était pas question que ce soit une deuxième nouvelle. Oh là là. Sur Radio-Canada, je parle. Non, c'est ça. Okay, ben, bref. Et Sacha Gavamy, qui se trouve être l'agent aussi de Marc-Antoine. Bon, on en avait parlé dans les semaines précédentes. D'ailleurs, t'étais le niaiseux qui avait dit que les Alouettes allaient gagner la Coupe Grey. On a bien ri quand même. Puis il nous disait que Fajardo pouvait être surprenant. Il voyait son 3% en fin d'année, le président. Mais bravo, tu l'as. On t'a appelé la semaine passée pour te féliciter, mais. Chapeau, je vais te le dire. Là. Même mon cousin m'a écrit pour me. Ton cousin. On va pas en sac, ton cousin.
Il est pas dans l'UDA. D'ailleurs, tu irais le voir à Noël. Parenthèse, OK, oui. Parenthèse. Je suis allé sur, sur le site. Moi, je disais pas avec mes cousins. Mais non, ils sont pas bons. Mais parenthèse, je suis allé surfer sur le site de Apple Podcast. Oui. Puis ça me fait toujours rire de lire les commentaires parce qu'il y a tout le temps comme Louis qui vient sneaker pour faire des commentaires, soit avec son nom, soit avec quelqu'un d'autre. Et là, non, j'ai fait un commentaire à mon nom. Alors, je viens de trouver ce commentaire-là aujourd'hui. Oui. Le cousin à JP est un crosseur. Signé le docteur Mayou. Là, je dis, c'est sûr que c'est lui. c'est pas moi. Pour vrai? Non. Le cousin de JP est un crosseur. Ils l'ont senti. Ça paraît dans sa face un peu. OK, je veux juste revenir sur l'épisode de la semaine dernière. Ouais. J'ai parlé. Là, t'as demandé, t'as-tu le temps de regarder la télé? Tu regardes-tu la télé? Non, hein? Pas tant, non. Non, t'es pas. J'ai présumé que, ouais. que tu. Moi, j'en regarde beaucoup, là, notamment du sport. Là. Je vous regarde à RDS et tout. Puis il y a beaucoup de pubs de GM paillés. Ouais. On en a parlé dans notre voyage de golf. Mais oui. Ça? On en parle. En plus, c'est pas vrai, vous en avez parlé dans le voyage de golf. Ah, Mathieu Gadebois, c'est un narrateur de la publicité. Mathieu Gadebois, il les connaît tout par cœur. Là. Ouais. Puis c'est la nouvelle là, qu'un réalisateur, là, il aurait tellement aimé ça, Mathieu Gadebois, être le réalisateur d'un pub de paillé. Là. Ben, bref, on a comme levé notre chapeau au génie des pubs qui veulent rien dire. OK? Leur logo, leur slogan, là, c'est OK. Paillé. Pose-toi pas trop de questions. Va pas trop. Saigne-toi du nez avec ça, Marc-Antoine. Attends, mais tu sais quoi? Il va quand même aller acheter un char chez Paillé. Ils nous ont entendu. Il y a du monde qui sont venus avec ça après genre des heures et des heures de recherche. Ouais, ils ont, mais à mon avis, ils n'ont peut-être pas passé tant d'heures. Oui, c'est ça. Ah non, d'après moi, c'est y a quelque chose là-dedans. Là. C'est comme ce qu'ils mettent dans le McDo là, qui est addictif. T'as fait checker le site de Paillé. Ouais, j'essaie de checker s'il ne peut pas me prêter un char de l'un. Fait qu'ils ont entendu, tu dis. Ils ont entendu, puis ils nous ont fait un petit shout-out sur les réseaux sociaux. Ouais, fait ouais. Que, ouais, c'est ça. Ben là, trouve ton véhicule, là, je suis là-dessus. Ouais, tu cherches ton char. Ben, OK. Si tu rendu OK, paillé, va chier. Non. On les aime. Hey, non, ils nous aiment, là. Ah bon, OK. Hey, c'est réciproque. Mais j'ai été vrai. Il respectait. C'est intéressant comme clip, pareil. Mais je respecte la démarche. Oui. Mais je répète. Absolument. Je suis pas un crosseur comme son cousin. Non. Je suis capable de dire que je comprends rien de ce que ça veut dire. Puis que les pubs font ni queue ni tête. Mais tu t'en souviens. Hein? Tu l'oublies pas. C'est dans mon quotidien. OK. OK, petit retour sur la semaine. Avec la grosse nouvelle de la semaine. Ce sera pas bien long. Dans le monde du hockey. Je check s'ils n'ont pas des voitures électriques chez Payet. Y a-tu des motos électriques? Ouais, motos électriques, c'est plus ça. C'est pas con, ça. Mais la nouvelle de la semaine. Tu sais que je suis là-dessus heure par heure. Hein? Sûr. Corey Perry. Et là, c'est tu sais qu'il y avait une... Il y avait une conférence de presse. Là, bon, j'ai regardé. Puis? Il y a absolument rien qui se dit là-dedans. Il fait juste dire que c'est un truc à l'interne. Et il rajoute, puis ça, pour petit, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Kyle Davidson, tu sais, qui a l'air de rien en plus, là. Ouais. Il dit... et juste rajouter que ça n'a aucun lien avec d'autres membres de notre équipe ainsi que leur famille. Parce que la rumeur que Corey Perry est en fait... Il a quitté l'équipe, il s'est fait quitter par l'équipe. Et paraît-il qu'il aurait... couché avec la mère de Connor Bedard. Ça, c'est dit gros, là. J'aurais dit bonnet. OK, je vais essayer de commander. C'est ça. Comment les vols ne commandent plus cet épisode de OK? Je le retire officiellement. Durant le voyage des mers. Ouais. Mais attends, c'est quoi ça, le voyage des mers? Ben, tenez, toutes les mers suivent, là. Ils font ça, vous autres, avec les Alouettes? Les mers des joueurs. Comme, mettons, aller à Regina. Puis toutes les mères vous suivent? Non? Non. OK. Ouais. Au hockey, ils font ça. Il y a comme le voyage des pères, comme deux, trois matchs, puis le voyage des mères. Il y a juste les mères qui viennent sur la route avec eux autres. Puis c'est comme ils ont leur propre billet d'avion, ils ont leur propre avion, propre charter. C'est un genre de gros voyage de famille. Mon vieux, c'est des très bonnes questions que tu poses. Ouais. D'après moi, il y avait... Parce que c'est-tu dans le voyage des mères qui a fait ça, puis c'est pas la seule mère? Ou, c'est t'sais? Ça. C'est peut-être pas la seule mère. Non, mais c'est ça. Mais Elliot Friedman, dans son podcast aujourd'hui, qui est quand même une source fiable, a dit que ce n'était pas que la mère de Connor Bedard. Ah ouais? Parce que j'arrête pas de voir sur Twitter que les gens disent que ça n'a pas de rapport avec ça, que c'est pas ça qui s'est passé, que... Mais... Ah ouais? Si c'est pas ça, faut qu'ils disent net frais de sec. Mais il vient de sortir de conférence de presse, moi, il y a rien. Moi, ce que je trouvais intéressant de cette histoire-là, au-delà de tout le volet gossip, là, c'est...
Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Est-ce que tu pourrais être un agent? DG, mettons que tu es le DG du club et tu apprends qu'un des joueurs de équipe a eu une relation sexuelle avec la mère d'un autre joueur. Mais tu l'adresses. Pas... Non, mais admettons, là, y a, qu'est-ce que c'est qu'on s'entend les deux bords? Tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, dans le sens, c'est une patate chaude, puis j'ai l'impression que si c'est en lien avec ça, c'est pas éthique peut-être, mais c'est-tu... Tu contreviens-tu ou... Non, mais là, c'est parce que c'est dans le vestiaire. Je comprends, ouais. Non, mais c'est un problème. Mais ce que je veux dire, je pense que la raison pourquoi les Blackhawks ont de la misère à gérer un peu le dossier, puis c'est un peu dans ce silence, parce que il y a rien de ce que je vois. Il y a rien comme... de criminel. Ouais, tu sais, de comme... Ouais. Tu sais, il a pas pris une drogue illicite ou quoi que ce soit. Tu sais, je sais pas que c'est éthique. Mais tu il a nié, puis en réponse aux questions des journalistes, il a répondu que ces rumeurs-là étaient dégoûtantes. Disgusting. Fait... Je sais pas. Comment c'est t'invente ça? Ben, c'est facile à inventer, là. Je veux toujours en inventer. Non, mais pour que ça prenne feu, je veux dire, n'importe qui sur Twitter ou de peur pourrait mettre quelque chose qui n'a pas rapport, mais pour que ça prenne feu, je veux dire. Non, mais comment t'inventer ça? J'en ai eu des rumeurs là, sur mon cas, là. Puis, tu sais, là, puis c'était des vraies, de vraies rumeurs, là. C'était pas vrai, là. T'sais. Fait que c'est, tout s'invente dans la vie. Oui, moi aussi, je comprends. Mais quand il y a des journalistes sportifs crédibles qui rapportent ça présentement, pas juste des Joe Blow avec. Pas que leur photo sur X, là. Fait que moi, je crois que ça se peut. Ma foi du bon Dieu. Mon Dieu, ça a été long, hein, qu'un mot sorte de là. Non, mais moi, je pense que c'est vrai. Non. Moi, je pense que c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de. Mais ça peut-être qu'il n'a pas couché avec. Mettons qu'il l'a flirté, là. Mais même, là, ça change comme... quoi, tu sais. Mais ça change que, mettons, Connor Bedard est en crise, puis les gars dans le vestiaire font comme, hey, Corey, tu fais pas ça à star de l'équipe. Puis là, c'est comme là, l'ambiance dans le vestiaire est finie. Mais va-t'en chez vous. C'est quoi l'âge de différence entre Corey et la mère à Connor Bedard? Mais c'est. Hey, tu sais quoi que j'ai fait des recherches aujourd'hui ben, là-dessus pour vrai? Puis j'ai pas intérêt de trouver. Mais là, ça mais il y a une phase de non. Ben oui. À quoi? Mais il est jeune, Connor. Non, lui, il a 18 ans. Ouais. Sa mère, mettons qu'elle a 45. 50. Moi, je vois que 50. L'autre, il a 39. Non, 50. Ouais. 50. Il y a 38. Corey Perry et Bedard ont 20 ans de différence. C'est ça. Ouais. C'est comme. C'est quand même une grosse différence. Ouais, c'est ça, là. Non, mais tu sais. Mais ça se peut, là. Elle est pas mieux que lui, en passant, là. Si c'est vrai. Mm-hmm. Limite, ils se sont rencontrés il y a 18 ans et le père de Connor Bedard, c'est Corey Perry. Puis c'est vraiment ça. Puis il décide d'assumer son rôle en tant que coéquipier et beau-père. Tu sais, c'est comme vrai. Oui. Ça, c'est-tu déjà vu, ça, quelqu'un qui joue avec son beau-père? Mais allez, moi, ce qui me fait. Ah mon Dieu. On parle pas. Tu sais, si c'est vrai, là, il y a quand même la mère à Bedard qui aurait trompé. Son job, puis Carey qui trompe sa femme. Mais le point étant pas là, le point étant. C'est quand même. Les joueurs d'hockey qui trompent sa femme, c'est quand même. Non, mais c'est si grave, genre, dans l'équipe où est-ce que. C'est pour ça l'affaire. C'est que. Est-ce vraiment un scandale ou dans la mesure où. Là, Corey, écoute, on peut plus t'engager sur la glace, là. T'as couché avec quelqu'un d'autre. Ça me semble être débile. T'as couché avec la mère de. Mais ça, c'est comme. Tu distrais l'équipe. Ah oui, c'est arrivé des moments où des gars couchaient avec. Des Shane Corson, Chris Chelios. Attends, des gars couchés avec des coéquipiers? Les femmes, des coéquipiers. Fini d'avance. Merci. Vraiment bon, avec la femme, merci de me suivre. Avec la femme d'un coéquipier pendant qu'il était sur la route, puis tout. Puis, les gars partaient, là. Tu peux pas faire ça parce que ça. Non, mais je. Est-ce que la mère d'un de tes coéquipiers qui t'intéresse un peu, Marc-André? Par contre, je regardais les différences d'âge, puis j'ai l'impression que, ultimement, c'est Matt. Qui pourrait coucher avec ta mère parce qu'il est le plus vieux de l'équipe, right? Christian Matt. Ouais, mais Christian Matt, il est vieux, hein, maudit. Ben, ah, ben 38. 38 ans. Oui, c'est il ça. Vieux, il est très vieux, fuck you. Il est exactement 12 ans plus jeune que toi. Oui, c'est ça. C'est quand même dégueulasse. OK, fait qu'il y a ça. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'était la nouvelle de la semaine, selon vous, dans le monde du sport? Ça, c'était la nouvelle. Ben, dans la Ligue nationale, oui. Dans la Ligue nationale de hockey, c'était la nouvelle. C'est quoi, toi? C'est incroyable comme podcast. Ben, c'était quand même. C'est malin. Non, mais je sais pas. Moi, je me posais la question. Non, mais non, fuck off. Il y avait un jugement dans ta question, OK? Fais pas ton smart ass ici. C'est vraiment une question. Moi, je trouve que tu prends de l'assurance rapidement dans ce podcast. Je te préférais quand t'étais assis sur la petite chaise dans le coin puis tu touchais pas à terre. Ouais. Ben, les fun fact, tu touches pas à terre. Ouais, mais... Je touche à peine. Non, mais OK, il y a un autre sujet. Hey, ça, Louis, ça fait partie des textos qui m'a envoyé cette semaine. Auquel j'ai répondu sans qu'il me donne de réponse parce que j'ai jamais reçu mes réponses. Okay. C'est le logo d'Air Canada sur le chandail du Canadien, c'est ça? Oui. Ouais, bon. Parce qu'il y a un nouveau logo d'Air Canada sur le chandail du Canadien. Toujours dans le moment où est-ce que Louis a bloqué mon numéro de téléphone, il m'envoie ça comme s'il veut commencer une discussion. Oui. Je commence la discussion, j'y réponds, j'ai plus de réponse.
J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est comme s'il me lançait ça. Toujours est-il que ça scandalise Louis. Puis ça, ça me fait rire, parce que je me dis, c'est tellement pas grave. Ah, si. Mais voyons, t'es-tu débile? Je suis un puriste. Mais oui, mais c'est ce que, ultimement, là, ça... Okay. Pour vrai? Peut-être, je risque d'être complètement seul, puisque c'est une information... J'ai déjà pété mon câble ailleurs quand ils ont mis le logo de RBC sur le chandail rouge. Moi, là, j'aurais aimé ça. Bon. Mais je sais que les équipes ont commencé à le mettre sur le casque puis sur le chandail. J'aurais comme aimé ça que le Canadien de Montréal, les Yankees du hockey, fassent comme... Faites-le tout si vous voulez. Nous autres, là, on reste impeccable. Nous autres, c'est la tradition et tu ne touches pas à ça. Ouais, parce que c'est ultimement, comme tu dis toujours, ultimement, c'est 6-8 millions par année, mettons. OK, oui, je comprends que c'est de l'argent, mais c'est une entreprise qui vaut 2,5 milliards. Jusqu'à quel point tu vas tout milquer et te foutre du passé puis de la tradition? Moi, j'aurais aimé ça. Et là, ils viennent de mettre... Air Canada, c'est une feuille d'érable. Et tu mets Maple Leaf sur le chandail du Canadien. Mais tu penses-tu que, disons, le club serait gagnant en ce moment, ça te frustrerait autant? Oui. Ouais. Ah ouais. Parce que, tu sais, en ce moment... Peut-être plus, en fait, parce que je ferais comme, vous faites les séries, vous en faites des millions. J'ai l'impression, c'est que en ce moment, c'est comme, on dirait on cherche quoi dire sur le Canadien. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça pogne plus, puis ça vient plus te chercher que si t'avais un club gagnant. C'est vrai, je l'aime, mon gars. T'sais, tu pensais que c'était Sacha que je préférais, mais c'est lui. J'aime penser que... On va parler tous les deux ensemble, mais j'entends du bruit, puis ça me... J'aime penser que c'est pas relié à ça. Sont bons. C'est relié à une perception que j'ai de l'organisation, que j'aimerais qu'elle soit plus grande que ça. Il y a plus de chances que c'est pas Pierre Carl qui est propriétaire du Canadien, mon gars. Non, mais Pierre Carl, il met son logo sur le chandail des Alouettes. Je le sais à quel point les Alouettes, c'est une entreprise difficile à rentabiliser. Mm-hmm. Puis vous n'avez des commanditaires sur vos chandails de pratique, sur vos chandails de game. C'est comme ça. C'est pas grave. Quand c'est précaire, ça me dérange pas. Que les Coyotes de l'Arizona le fassent, que les Panthers de la Floride le fassent, je m'en sac. Le Canadien de Montréal, OK, 6-8 millions. Tu sais, c'est quoi ce 6-8 millions-là? C'est ce qui va permettre aux Canadiens d'aller jouer deux games à Québec sans charger. C'est pas une scène, mon gars. Pour ça, c'est un bon point. Ça, c'est un maudit. Ça, grâce à Air Canada, même. Mais c'est juste ça, je trouve que... Puis là, les gens, dites-moi ce que vous en pensez. Les gens entendent. On dirait qu'on a accepté ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça le tue? Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Merci, Sach. Je suis d'accord. On est vraiment d'accord, mais là, on est d'accord. Bon, juste un petit peu de protocole, débat. Puis t'es au-dessus de ça. Ben, t'es le Canadien de Montréal. Ouais, ouais. T'es pas n'importe quel ligue. C'est un bon débat, ça. Je pense pas que ça aurait été ma préférence pour aller chercher du revenu, ça aurait été ça. Il y a d'autres façons d'aller chercher du revenu. Hey, quand t'as des taux, on s'entend, le Canadien, c'est une chose, là, mais c'est de l'immobilier partout autour du stade. De l'aréna, c'est... Mm. c'est non, mais tu sais, on a un chum, là, Rick Stevens, qui est allé à Seattle en fin de semaine, nous a envoyé les photos, là, du Kraken. Oui. Tu sais, puis de l'ambiance, puis ce qui est cool, là, c'est... Excuse-moi, je suis d'acheter autre chose. Ben oui, je vois ça, c'est que tu peux descendre dans le warm-up jusqu'à la baie vitrée. Oui. Quand même cool, ça. Oui. Tu sais, puis dans le warm-up, là, il invite les gens à descendre dans la baie vitrée. Ah, okay. Fait que là, les gens arrivent plus tôt dans l'aréna. Ouais, j'arrive avec ouais, là, si t'arrives plutôt dans l'aréna, ben tu dépenses un peu plus à l'aréna aussi. Il y a comme une stratégie que je trouve intéressante. Mais dis-tu là. Que l'organisation du Canadien est en train de est en déclin en ce moment? Non, je te dirais pas être en déclin, mais moi je pense pas les que joueurs, là, je parle de l'extérieur, tout ce qui est le football up, je pense le hockey qu'il y a up, tous ça. Les clubs de sport professionnel en Amérique du Nord qui ont une espèce de... Tu sais, ils parlaient des Yankees, mais un peu le Canadien, puis j'imagine un peu les Celtics. Tu sais, les clubs qui ont un peu cette notoriété, cette histoire derrière... ils vont avoir plus tendance à rouler un peu sur leur notoriété puis sur leur noblesse. Fait qu'ils vont pas innover. Fait que ça clash quand je vois le logo d'Air Canada, mais je vois encore, tu sais, le prix des billets très élevé. Mais pas juste le prix, aussi, tu sais, toute la façon de faire. Il y a un travail aussi. Là, on va un peu dans tous les sens, mais pour répondre moi à ta question, c'est clair que les Canadiens, c'est pas une organisation qui régresse, là. Je veux dire, ils réussissent à avoir un monopole du marché incroyable, mais faut arrêter de dire que le meilleur endroit pour un match de hockey dans le monde, là, la mecque du hockey, c'est le Centre Bell. C'est plus vrai, là. Ah, pourquoi?
tu vas dans plein d'autres... Ah, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'autres arénas. Tu vas à Vegas, tu vas dans plein d'autres... J'ai entendu Vegas par plein du monde que c'est quelque chose. L'ambiance du match... T'es-tu allé à Vegas? Oui, je suis allé à Vegas, je suis allé à Nashville. C'est bien plus fun qu'à Montréal. Ben non! Ben oui! Pas quand le Canadien est bon, pas quand le Canadien joue des matchs. Même quand le Canadien est bon à Montréal un samedi. Pittsburgh, il y a plus d'ambiance. Tu sais, les gens arrivent... Mais il y a une culture aussi aux États-Unis. Tu vas voir un match de foot, tu t'habilles comme l'équipe. Tu vas voir ton équipe sportive. À Montréal, tu as beaucoup... Montréal et Toronto, la semaine, que c'est plat. C'est corporate. C'est beaucoup trop corporate. Le monde volant en soude, puis tout. Il y a quelque chose qui fait que... Mais même dans toute le divertissement autour de la partie... Si les Golden Knights étaient en rebuild comme le Canadien là en ce moment, je pense pas que ce serait aussi hot que quand tu viens de gagner la Coupe Stanley. Mais c'était hot que l'an 1, avant même qu'ils sachent. Ouais, mais c'était une équipe d'extension de nouveau club. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je dis juste, mais prends Nashville. Tu sais, les petits gars qu'on avait avec nous autres la semaine passée, là, Fan TV Sports, là, il faut qu'ils rentrent pour pas partir des chants. Puis tout, faut vraiment brasser le pommier un peu de cette organisation. Mais il y a la zone Molson X, là, qui est en haut, là. Ah, c'est encore cette affaire-là? Ouais, ouais, c'est la brique, là, ouais. Okay. Mais c'est ça, c'est, en tout cas, peu importe le point. Okay. Ce qui vaut vraiment la peine d'avoir, c'est une bonne discussion sur le logo d'Air Canada. Je trouve que c'est futile parce que ça arrive. Tu sais, c'est comme, c'est tout pas... est futile. Oui, bon, ça c'est fait. Mais non, mais si tu commences ça, tout est futile. Oui. Est-ce que Marc-André Fleury, qui voulait absolument mettre le logo des Premières Nations. Ouais, mais ça, c'est pas un débat futile. Son ça. Masque, pas un logo. Il y avait un masque fait pour. Un masque fait par un artiste autochtone. Ouais. Magnifique masque, d'ailleurs. Oui, magnifique. La Ligue lui refuse. Oui, ben ça, c'est niaiseux. Tu vois, ça, c'est un débat intéressant. Non? Ils l'ont mis à l'amende. Ils l'ont mis à l'amende, ce qu'il a porté pendant le warm-up. Oui. Puis... Ouais, ça, c'est une nouvelle que j'aurais mis avant celle de Quarry. Exact, c'est ça. C'est ça, je suis assez... Mais là, t'as-tu trouvé l'âge de la mère à connaître, pas encore? Mais je pense vraiment... Ça doit être... C'est du 47-52, là. C'est ça. La mère de... C'est 47-52, mon avion. C'est un range. Moi, je vais dire 45. Ah ouais? Ouais. J'ai assez peur parce qu'avant, on a fait des jokes, mais on est vraiment un podcast de boys. Je pense aussi. 27, c'est pas trop jeune, pas trop vieux. 27, mais elle a 27. Non, non, mais je pense aux États-Unis. Elle l'a vu à 27. T'as googlé quand elle était jeune. J'ai 45, même 44. Elle s'appelle Melanie Bedard. Elle s'appelle Melanie Bedard? Ouais, je peux vous montrer. Voyons, ça n'a pas de sens qu'on fasse ça. Le pauvre, j'avais oublié qu'on était. Le pauvre mari aussi dans tout ça. Hey, c'est tout un boy, hein, son mari, là. Mais c'est ça, j'ai dit tantôt, puis on m'a dit, ah, oh, ben là, rien là. Non, non, oui. Tu choisis quand est-ce que ça t'arrange de dire quelque chose. Mais quand moi je le dis, ça a plus de poids. mais Fleury, je dis bravo, en tout cas. Oui, oui, je l'ai dit, absolument. Ça me fait tellement rire, tu sais. Je dis, il a interdit ça, pourquoi? Pourquoi interdire ça? Pourquoi? Ils sont tellement... Ça, c'est la Ligue nationale de hockey. Mais c'est ça, je suis tellement niaiseux. Ouais. Là, il l'a porté, 3000 piastres d'amende. Ben oui, exact. Tu sais, puis on n'en parle même plus, je trouve ça tellement cave. Mais pourquoi lui, il avait pas le droit? Mais McDermott, il pouvait mettre le ruban au cou. Pour la fierté gay. Il pouvait pas. Il s'est fait mettre à l'amende aussi au début. Il s'est fait mettre à l'amende, oui. Ouais, ouais, et la fierté gay aussi. Je me rappelle plus c'était quel joueur, mais il y avait un joueur qui a tapé pareil son bâton. Puis... On s'en fout. Ils le font, puis au final, tu sais, c'est ce qui se passe. Tu sais, merci. J'ai pas, on a l'air d'une gang d'alcooliques. Ouais, c'est ça. Mais c'est Stéphane là, qui nous apporte de la bière comme si Christy, on fait 20 minutes qu'on a commencé. Je veux dire. Ok, parfait. C'est pas grave. L'autre truc, avant qu'on parle. On s'en va à notre star. Ouais, ouais, ce sera pas long. Un dernier truc, ok. Vas-y. Olivier Aubin. Olivier Aubin. Hey, moi là. T'es-tu un fan de MMA? Sais-tu quoi on parle? Le message qu'il a fait sur sa retraite. Oui, mais sur son. Ben, fait son championnat. Ouais, son championnat. Parce que, est-ce qu'il a officialisé sa retraite? Je sais pas, mais ça avait l'air d'un message de. Il voulait prendre sa retraite. C'était supposé être son dernier combat, c'est ça qu'il voulait. Puis, back-to-back tabarnak, ça c'est son dernier message. Ouais. Le message de l'année d'avant, c'était Québec is back tabarnak. Je trouve. Mais ce gars-là, il y a quelque chose quand même. Est-ce que tu l'as déjà reçu en entrevue? Oh, oui, je l'ai reçu plein de fois en entrevue. Il est fantastique. Il est drôle. Je pense que je l'ai croisé hier en char. Je ne sais même pas. J'étais à la lumière, puis je le regarde. Je voulais baisser à la fin. Mais tu son gros chèque d'un million d'euros, c'est pour ça que tu l'as. Puis tu sais quoi, il n'est jamais poqué parce que j'avais demandé à un moment donné, j'ai dit, tu sais, parce que c'est un gars bright, là. Ouais. Puis j'ai dit, tu sais, t'as pas peur de te faire ramasser, tu sais, t'as pas. Je dis, c'est quand même débile, là, les coups que tu peux savoir. Il dit, ah, non, il dit, inquiète-toi pas, moi, j'aime pas ça me faire frapper. Je dis, Tu choisis pas. Ouais, c'est pas comme fine, mais je dis, t'es quand même, tu poses échec, là. Fait que t'aimes pas ça, toi, faire des accidents de moto. Non, c'est ça, exact. Fait que là, il dit, non, mais dis-moi, je m'organise tout le temps pour me faire frapper. Je dis, ok. Mais. Payé. Bravo!
Wow! T'aurais dû. On dirait que t'as déjà fait de la pub. T'aurais dû gifler direct là, hein? T'as pas organisé ça. Mais sérieux, il était somme toute sérieux. Fait que c'est ça, le gars, il aime pas ça se faire frapper. Fait que c'est ça qu'il gagne. On devrait le recevoir, le Canadian Gangster. Il est vraiment, vraiment, vraiment hot. Je l'aime bien, gros gars-là. Ouais. Puis on va le recevoir avec son chèque d'un million après impôt. Là. Après impôt? Non, mais c'est un million après impôt. Il doit rester 600, j'imagine. Ah ouais, plus après ton coach, puis si, puis ça. Ah, il doit pas rester tant d'affaires que ça, là, au final. Il reste pas 600, mais quand il traverse les douanes, est-ce qu'il faut qu'il... Ben, en même temps, c'est pas tant les douanes faut que... Faut qu'il déclare, quoi. Ouais. Non, non, parce qu'il le dépose dans son compte. OK, j'ai aucune idée. J'avais entendu ça. Il donne pas une valise. OK. Hey, une belle grosse valise. C'est incroyable. Ça, non? OK, bon, la star. Okay. La star. Présente-nous, je vais demander. Après les jingles. Sachant, présente-nous la star. Marc-Antoine. Ouais. Par où commencer? Ben, en fait, vous le connaissez comme, évidemment, le joueur... Le God Big Brother. Le God Big Brother, non. Le joueur... Pour vrai, j'avais complètement oublié ce bout-là. C'est une très bonne nouvelle, ça. Ou ouais. Le fan de Zenith. Ben, oui. Ouais. Non, ouais. Il y avait deux de mes anciennes. Ben, c'est vrai, la gagnante. La gagnante. Ben oui. Claudia, Claudia. Le joueur étoile des Alouettes. Mais avant ça, joueur étoile des Carabins. Ouais. Qui a connu toute une carrière aux Carabins, pour vrai. Puis, je veux dire... Je pense qu'à ce moment-là, le football universitaire québécois, il a comme sa base de partisans, mais ouais. C'est pas tout le monde qui suit ça nécessairement. Puis, ouais. Marc-Antoine ne veut pas réussir à aller même signer avec les Packers de Green Bay durant la COVID, ce qui n'est pas rien. Puis il est allé au camp avec les Packers. Comme joueur invité. Joueur signé, là, signé. Il a signé un contrat comme joueur. Pas drafté, là. Non, joueur. Il a été signé peut-être dans les secondes qui ont suivi le repêchage, là. Tu sais, c'était. Ouais. C'était réglé. Non, c'était fin de la sixième. Fin de la sixième ronde, on s'était entendu avec les Packers, effectivement. Fin de la sixième. D'après moi, il faut que tu parles un petit peu plus proche de ton micro. Fin de la sixième. fait que c'est ça. Puis il a signé aux Packers. Puis là, ben, avec la COVID, on n'a pas été chanceux, mais ils ont réduit les rosters de la NFL. Ouais. Tu sais, au lieu d'avoir 90 au camp, à un moment donné, il fallait que tu baisses à 80 joueurs. Fait que. Marc, il a été parmi les coupures de. Là, c'est là que tu es venu jouer avec les Alouettes. Ouais. Parce que ben, on va y revenir sur la NFL parce que souvent, les joueurs de la CFL, mais comme toi, mettons, on va te parler beaucoup de ton passage à la NFL comme si le reste était, je sais pas. Plan B, là, quasiment, tu sais. Ouais, un plan B, quand dans le fond, c'est un plan A, là. La CFL? La CFL pour toi. C'est un plan A. C'est un plan B dans le sens que si tu regardes le salaire, c'est sûr que c'est un plan B au niveau du salaire. Oui, ouais, clairement, clairement. Tu sais, je veux dire, tu ajoutes un zéro de plus sur le contrat final. Là, ouais, juste pour même, dire, là, c'est quand même assez, assez énorme la différence. Fait que à ce niveau-là, tu sais, le salaire minimum, c'est 70 000 dans la CFL. Puis NFL, c'est rendu à 650, je pense. Près, là, 670. Ouais. Ça, c'est US, pas en canadien. Fait que à ce point-là, c'est ce niveau-là, c'est le problème. Mais pour moi, quand j'étais jeune, moi, j'étais un fan des Alouettes de Montréal. Là. Ouais. Tu sais, je pourrais rappeler des années 2000, là, Anthony Carvio, Ben Cahoun. Ouais. Je veux dire, il y avait aussi Mathieu Proulx, puis il y avait Étienne Boulay. Mais tu sais, je veux dire, pour moi, nous, c'était genre. Moi, c'était un fan des Alouettes. Mon père avait des billets de saison. Fait que moi, la CFL, c'était comme qu'est-ce que je regardais pas mal plus parce que j'allais au stade, tu pouvais voir les joueurs. Fait que j'avais ce plan A-là de, hey, être professionnel, mais au niveau monétairement. Notamment, c'était comme moi, c'est pas. Tu rêvais à la NFL. Et à un certain sens. Tu sais, quand tu te dis que tu peux jouer dans la plus grande ligne au monde, c'est hallucinant. Tu là. Viens d'où, Marc-Antoine? Moi, j'ai une ligne bizarre. OK. West Island. OK, OK. Un gars de Montréal. Un gars de Montréal. Mais tu sais, l'île bizarre, c'est de Montréal, mais tu sais, c'est pas le. On se sent un peu des fois à part. Là. C'est, surtout quand c'est rendu là. C'est la banlieue de Montréal. C'est depuis que Pauline a son chalet là, on est tous considérés comme des bons riches, mais je vous le dis, c'est loin d'être là. Mais... Le petit chalet de Pauline. Le petit chalet de Pauline, Tintin. Là. Mais écoute, tu sais, à travers tout ce parcours-là, cette année, ça a été comme le... Je sais pas, ça a été la révélation quelque part. Hein. Tu sais, de monsieur de quoi ici là. Je pense pour les gens qui suivent pas tant les Alouettes. Ouais, exact, c'est ça. C'est devenu quelqu'un au Québec là, tu sais, instantanément. Tes plans à partir de là, est-ce qu'ils changent? Tu sais, une fois que tu remportes la Coupe Grey, une fois que tu deviens comme tu prends ta place à quelque part là, tu sais, t'as-tu envie de faire d'autres choses? Est-ce que tu te demandes s'il veut retourner dans la NFL? Mais en fait, c'est quoi le plan pour les prochaines années? Tu veux-tu être le leader des Alouettes tout le temps? Ben, c'est des choses, en fait. Moi, mon rêve, c'était de gagner la Coupe avec les Alouettes. Puis là, je l'ai accompli. Ça, c'est coché. C'est coché. Même des choses, c'est... J'ai réalisé, tu sais, je l'ai eu, là. J'ai couru après la carotte pendant tant longtemps, puis là, tu l'as enfin. Ouais. Puis je pense des joueurs comme nous, c'est on est plus habitués à courir après la carotte qu'à l'avoir. Ah, ouais, comme j'en veux un autre. Tu sais quoi, je veux créer une dynastie aux Alouettes. OK.
Tu sais, je joue au football depuis que j'ai 5 ans. Là. Je joue au football depuis récemment. Là. La seule affaire que je connais, là, parce qu'avant 5 ans, même avant 10 ans, j'ai pas une grande mémoire. Ouais. Fait que tu sais, moi, le football, c'est ce que je connais. Ouais. Fait que pour moi, en ce moment, c'est que j'ai accompli quelque chose. Je suis comme, non, je veux pas quitter. Là. J'en veux un autre. Okay. Je vais créer une dynastie. Tu sais, je reste dans le football parce que c'est tellement plus simple de faire le football. C'est tellement plus simple d'être juste dans le sport. T'es pas... Tu sais, c'est quelque chose que tu te lèves le matin, tu vas t'entraîner, puis c'est simple. Tu sais, c'est des grosses journées physiquement, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, je trouve qu'il y a rien qui est difficile nécessairement. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mentalement, ouais. C'est difficile en tabarouette physiquement, puis notre corps est hypothéqué. Mais je veux dire, de jouer à un sport, on court après c'est un jeu. On court après un ballon, puis on est bien payé. T'étudies en quoi, toi? Moi, en jeu vidéo, informatique. En informatique. Fait que tu sais... tu peux te lancer là-dedans quand tu veux. Écoute, là. Je peux dire, là-dedans, ça va, là. Écoute, je peux aller à Ubisoft, là, puis faire des cafés, puis essayer de coder un peu, là, s'ils veulent m'engager. Mais non, je pourrais aller... je pourrais tourner en informatique. C'est sûr que c'était ma passion avant le foot, là. J'étais bien intéressé à ça, mais je pense qu'en ce moment, c'est une des affaires qui est drôle avec les joueurs de football, c'est qu'on pense pas tout le temps à notre après-carrière. Surtout quand on est dans le foot, on est... Puis une des affaires qui me disait tout le temps, c'était « Assure-toi d'avoir un diplôme, assure-toi de... » Parce que le football, c'est pas quand ça va finir. C'est la réalité. Ton diplôme, il est fini. Mais là, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai fait des mineurs. Fait que j'ai pas fini avec un bac, mais j'ai fini avec. Parce que quand t'es dans le football, à l'université, t'es comme, moi, je joue au football, juste faire ça. Mais tu sais, je me suis assuré, dans le fond, j'ai une technique en informatique. J'ai une mineure en jeux vidéo, puis une mineure en informatique à l'université. Mais tu sais, il manquerait une autre mineure, puis je pourrais faire un bac en cumul. Mais tu sais, ça, c'est des affaires qu'avec le temps, en ce moment, ça évolue tellement. Cette semaine est différente que la semaine passée. Ouais. Il y a deux semaines de ça, il m'aurait vu dans la rue puis il m'aurait évité du regard. Ouais. Tu sais, tu peux me voir et tu dis hey, merci, félicitations. Ouais. Je taquine. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'en une semaine. Tu t'en sors assez vite. Ouais, je sais. Tu t'en sors assez vite. Pour autant que t'es pas connu, tu vas apporter de quoi, mon gars, tu vas rien à ses yeux. En ce moment, c'est tellement exponentiel de semaine en semaine que tu me demandes dans deux mois que c'est comme là, j'essaie juste de. Être chaud tous les soirs, de profiter, d'avoir du fun avec mes amis, ma famille. Puis, tu sais, je vais voir qu'est-ce qu'il y a suite, mais je sais que je reste dans le football. Est-ce que vous travaillez, mettons, pour essayer d'avoir une invitation dans la NFL? Moi, ça arrive, mais moi, en ce moment, c'est. Tu sais, j'ai 29 ans, là. Puis, les scouts, en général, se font dire par le monde NFL, c'est est-ce qu'il est en bas de 26 qui est bon? OK. Ouais. T'sais... Mais t'as de l'expérience. Ouais, mais. Tu regardes toujours. Tu sais, tu dis. Moi, je suis d'accord que les chances sont peut-être moins bonnes à cause de l'âge. Mais t'as pas le choix de l'explorer puis de regarder, de rester à l'affût du marché. Puis je pense que l'avantage qu'on a avec la Ligue canadienne, puisqu'on évite à critiquer la Ligue canadienne, puis la Ligue canadienne mérite beaucoup de critiques régulièrement, mais c'est une Ligue qui existe depuis très longtemps, qui est établie, qui a survécu à la pandémie. Il y a beaucoup qui pensaient que la pandémie allait achever cette ligue-là. Je dis, il y a des ligues aux États-Unis qui n'ont pas survécu, puis celle-là, elle existe encore, puis elle roule. Que, tu sais, pour Marc-Antoine, même si la NFL, ça ne fonctionne pas, ou pour d'autres joueurs dans sa position qui ont connu des belles saisons dans la Ligue canadienne cette année, ben, il y a la Ligue canadienne à laquelle ils reviennent, où ils gagnent bien leur vie, puis ils peuvent bâtir quelque chose de très tangible, très solide. Donc, je pense que c'est ça te crée un très, très bon plan B. Mais tu sais, je comprends que toi, tu regardes ta prochaine saison, puis tu travailles sa dynastie. Je suis content d'entendre ça. Ben, à ton agent, tu lui donnes-tu le cadre? Ben, fais des appels au cas où, là. Non. On verra. J'ai-tu demandé non, ça à date? Pas encore. Non. Mais c'est quelque chose que je ferais par moi-même. C'est ça. Tu sais, ça fait partie de mon travail. Puis, tu vas pas te créer d'attente non plus, puis tu veux pas. Puis la réalité, c'est quoi? C'est que, tu sais. C'est tough, tu sais. Ben, c'est ça, j'allais te demander, tu sais. Tu pars, t'es du top de l'équipe, puis là, tu t'en vas dans. Ben, moi, quand j'étais, tu sais, je pense à ça, là, j'ai. J'étais vraiment zéro connu. Je me fais repêcher par Packers Green Bay. Là, tout le monde en parle. Ouais. Dans le monde du football, évidemment. Ouais. Là, après ça, c'est comme félicitations, bravo. Tu arrives là-bas, tu fais des interviews avec RDS que tu n'as jamais faites. Puis là, après 4 semaines, tu te fais couper. Ouais. Puis là, tu commences pas pire. Je vais aller dans CFL. La CFL se fait canceller. Fait que tu passes de là. Ouais. Puis là, tu es chez vous. Il y a la pandémie. Tout est fermé. Ouais. Tu peux pas aller t'entraîner. Tu peux pas voir personne. Mais là, je veux dire, tout le monde a des problèmes. Tu n'as pas commencé à dire, ben moi, je lui top, je me suis fait couper de la NFL. Tout le monde, c'est comme moi. Mais tu sais, moi, j'ai de la misère à trouver de l'argent pour faire vivre mes enfants. Fait que tu sais, tes problèmes, c'est garder pour toi. Mais tu sais, ça, c'était excessivement difficile. Fait que tu sais, se refaire cet espoir-là, de retourner là, je trouve que c'est. Tu sais, à un moment donné, il n'y a pas juste l'argent, honnêtement. Là. Ouais. Si, je suis bien avec les Alouettes de Montréal. Puis si le call arrive, mais je suis tellement pas en train de chercher pour ça. Puis tu sais, la réalité, c'est que
tu sais, on en parlait, là, la vie d'un joueur de la Ligue canadienne, selon le contrat, c'est 4 heures par jour. C'est 4 heures et demie, puis il y a une journée de 6 heures. OK. Quand tu arrives dans la NFL, tu es 4 semaines, là, de camp d'entraînement, puis de... C'était même pas un camp d'entraînement, c'était des OTAs. C'est quoi? Ben, c'est comme le camp de printemps, on peut appeler ça de même. Ouais. C'est ce que tu fais avant. Mettons, la NFL, le repêchage, de mai à mi-juin, c'est ce qu'on appelle les OTAs, les Off-Season Training Activities en anglais. Fait que c'est comme des... Ma marque pourrait mieux l'expliquer, là, mais c'est comme des rencontres, des meetings, des pratiques pas padées. Ça, c'est sans épaulettes. Ouais. C'est sans épaulettes. Fait que, mais tu voyais-tu, tu sais, quand t'arrives là-bas, toi, là. Dans les 4 semaines, tu comprends, genre, à la maison, avant que je fly in, aussi, qu'on faisait des meetings tous les jours avec l'équipe. Okay, là. OK, OK, OK. Tu sais, ça a commencé avant que j'arrive aussi. OK, OK. Juste, genre, 4 semaines de genre. Du début jusqu'à la fin. Je sais pas combien de temps j'étais mon séjour là-bas, une fois, ça fait un petit bout, là. Mais genre, tu sais, c'était des meetings, c'est des OTA, c'est différent que, genre, quand le camp commençait. Là. OK, OK, parfait. Puis, mais juste cette expérience-là, tu sais, c'est une expérience qui t'a marqué, tu sais. Quand même, moi, je veux dire, tu sais, j'ai vu le chef Aaron Rodgers, quand même impressionnant. Il est-tu là? Il était là aussi pour vrai, tu sais. Tout le monde est là, tu sais. Je veux dire, j'ai croisé Aaron Rodgers. C'est un camp obligatoire, man. C'est ça. Après ça, il y arrive. Tom, il va pas, il allait pas. Laisse faire, embarque pas. On parle de belles affaires, là. Laisse faire, Tom. Un podcast, un épisode. Je vais te poser une question. Si tu rencontrais Tom, tu l'embrasserais-tu? Mais ça, on parle de Tom Brady, une fixation sur Tom Brady. Il va absolument embrasser Tom Brady. On peut s'en aller. C'est le temps, là. Non, mais bref, tout le monde était là, tout le roster était là. Est-ce que tu considères que tu avais une chance, mettons, du moins de faire l'équipe de pratique puis de tenir ton bout dans la ligue? Mais quand j'ai appris que le roster allait tomber de 93 à 80, on était comme moi. Regarde, je suis Canadien, j'étais une position qui était un peu atypique pour la personne que je suis. Fait que j'étais comme moi. Ça va être difficile, honnêtement. La seule affaire, c'est que je gagnais tous les sprints, j'étais vite, tout le monde me disait wow, t'es vite. Fait que c'est comme OK, j'ai peut-être une chance. T'as une chance technique, là, technique, physique. Puis je trouvais physiquement pour un gars, tu sais, pour une unité spéciale. Comme peut-être ma chance, mais on savait les deux que c'était comme moi. Quand on réduit les alignements, tu sais, à son pro day, Marc-Antoine a eu son pro day 2 jours avant que tout shut down. Que tout ferme au Québec. C'est en mars, là. Ouais. Fait qu'on a tout fermé, je pense, le 13 mars. C'était le 9 ou le 10. En tout cas, quelques jours avant. Puis tu sais, il a couru son pro day. Je me rappelle, il y avait le scout des Bears qui était là. Puis il a couru son 40 verges. J'étais malade comme un chien. J'étais malade, là. Je pense que je suis le premier patient de COVID au Québec. Désolé. Le patient zéro. Le patient zéro. T'étais vite, puis tu filais pas. Il a couru 4-3-5 au 40 verges. J'ai pas dormi de la nuit. Puis l'adrénaline a tellement embarqué cette journée-là que j'étais mort pendant 2 semaines dans chez nous. Là, genre, fièvre de 41. Là. Hey, mon Dieu, OK, pour vrai. J'ai tout donné cette journée-là. Puis quand il a couru son 4-3-5, là, tout d'un coup, ça faisait des semaines que je travaillais avec les équipes, mais tu sais, c'est comme, OK, on va voir, il n'y avait rien de vraiment tangible. Puis là, il a couru 4-3-5, tout d'un coup, il y a des équipes qui commençaient à appeler, des équipes qui commençaient à t'adresser parce que tu mesures quoi, 6-3? 6-3. Tu sais, 6-3, tu pesais 200. Il arrive, il court 4-3-5. Ben, j'étais 208 là, dans ce temps-là. 208, puis tu cours 4-3-5, c'est vraiment bon. Mm-hmm. Fait que là, je pense que, tu sais, rien n'arrive pour rien, mais aux Packers, si les alignements n'étaient pas coupés puis ça avait été un processus de camp normal, non affecté par la COVID, peut-être qu'il serait encore là, who knows, dans le sens, il y a cette vitesse-là, cette capacité athlétique-là est difficile à trouver. Mm-hmm. Fait que... Mais au final, les choses sont arrivées comme elles sont arrivées, puis il a saisi l'opportunité ici, puis là, il est devenu le visage. Poster boy. Je peux faire des podcasts avec vous. Exact. C'est une grande chance pour t'asseoir avec Morissette, man. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tout le monde rêve à ça. Il y en a qui se font bloquer. Non, mais c'est quand même des podcasts avec lui. It's funny because it's true. Mais je me posais... Quand je savais que tu allais venir nous voir, je me posais la question sur les dernières années. Ça fait combien d'années que tu es avec les Alouettes? Dans le fond, j'ai signé en 2020. Mais il y a eu la pandémie, fait que ça fait 3 ans que je joue pour eux. Ça fait depuis 2020 que je suis contrat sur eux. OK, parfait. Mais dans les 2-3 dernières saisons, tu sais, le destin de l'équipe était un peu sketch, là. Même en début d'année, début d'année, tu commences. On avait l'ancien propriétaire avant que c'est Pierre Carl qui rachète. Lui, l'ancien propriétaire avait bloqué les fonds à Danny. Fait que Danny n'était pas capable de faire des transactions pour certains gars, pour les agents. Il a perdu Eugene Lewis, perdu Harris. Tu sais, puis
Fait que, tu sais, t'as eu ces difficultés-là à Danny à avoir. Puis après ça, t'as un nouveau propriétaire, t'as un nouveau head coach, puis t'as un nouveau carrière partant dans la même saison. Hein. On était classé 9e sur une équipe, sur une ligne à 9 joueurs, t'sais, à 9 joueurs, à 9 équipes. Ouais. Fait qu'on on était mis vraiment en bas de classement, puis c'est comme de fait, c'est correct. Mais c'était toutes les odds étaient contre nous, là, en rentrant ouais. là. On avait un bon noyau de joueurs qui restait quand même, mais c'est juste de rentrer avec toute cette nouveauté-là puis d'être capable d'accomplir ce qu'on a accompli, c'est assez important. Même le propriétaire a dit que genre, il dit, est-ce que tu t'attendais à gagner cette année? Il dit, honnêtement, je dis, c'est quand même très tôt. Il dit, c'était pas dans nos plans, mais je veux dire, il a dit, honnêtement, tout ce que je touche ce temps-ci perd de l'argent, c'est un truc dans la fédé. Mais, de propriétaire, de on va-tu être payé, de. Non, parce que c'est l'off-season. OK, parfait. Fait que t'es pas. Mais il était bizarre. Je me souviens l'année dernière, lui, il était dans une loge, là, puis peut-être des câbles, puis il était vraiment. Mais c'est quand même pas une ligue de garage, là. Ah, dans le sens, il y a des règlements à respecter, puis tu t'as mais pas. Mais avoue qu'il était sketch, là. Ah, Stern. C'était quoi son nom? C'est Gary Stern. Il était spécial. Il a fait un post sur Twitter à un moment donné. Il était très actif sur Twitter. Ah oui, hein? Très actif sur Twitter. Un peu Trump-alike, là. Non, mais dans le sens émotif. Bon, oui, je pense qu'on est émotif. Ouais. On va laisser ça. On va passer au prochain sujet. C'est vrai, il était le gars, il pognait un air, puis son émotion, il la mettait ce que tu dois pas faire quand t'es propriétaire d'une équipe. Sur ce que Mardi, là, moi, ce que je trouve fascinant les Alouettes cette année, c'est à quel point, des fois, il faut faire attention d'arriver avec une conclusion trop forte. Parce que tu regardes, admettons, l'année dernière, pas la saison qui vient de terminer, la saison d'avant. Jason Moss était à Saskatchewan. Cody Fajardo était à Saskatchewan. Saskatchewan avait connu une année difficile. Ils se font renvoyer. Fait que Jason Moss se fait congédier. Les Riders disent, on ramène pas Fajardo. Fait que c'est comme un peu le rejet des Riders qui avaient connu une saison difficile. Fait que là, ben, Trevor Harris, il va signer à Saskatchewan. C'est un peu la chaise musicale des carrières dans cette ligue-là, des fois. Puis là, ben, le meilleur carrière qui reste sur le marché disponible, c'est Fajardo. Fait que l'équipe, ben, Danny et son équipe embauchent Jason Moss, qui venait d'être congédié par les Riders, qui avait aussi connu un passage un peu plus difficile, je pense à Ottawa et Edmonton. En tout cas, c'était pas super facile. Puis là, ben, Fajardo vient signer à Montréal alors qu'il venait de connaître une saison difficile. Parallèlement, tu parles de Gino Lewis. Mais, tu sais, il y a Danny, mais. Puis arrive Lavergne qui travaille là, Jean-Marc Edmé. Le scouting staff des Alouettes est probablement dans les meilleurs, c'est pas les meilleurs de la Ligue canadienne de football. Le scouting US ou à travers la Ligue? Les deux, Canadiens et US. Ah, quand tu regardes juste Phil Park, qui a été repêché quoi, 7e, 8e, 9e? 6e, non? Ouais, tu sais, il a pas été first overall, puis il joue comme un first overall pick. Puis il vient de gagnant. Tu regardes, mettons, un gars comme Austin Mack qui a été rejeté par les Giants, devient le receveur le receveur d'étoile de la Ligue, ou presque. Il était sur le All-Star team. Ouais, puis t'as Sneed. Fait que, tu sais, les Alouettes ont montré que dans toute situation organisationnelle, que des fois, c'est pas parce que ça n'a pas marché une place, ça marchera pas ailleurs. Ouais. Et je pense que Jason Moss et le duo Moss-Fajardo est le parfait exemple. Ça n'a pas toujours été facile, l'offensive, cette année. Non. Mais ça fonctionne. Noel Thorpe, ça n'a pas toujours fonctionné partout, ça a fonctionné cette année. Ce que les gars sont en train de dire, c'est comme toi, deux hommes en or. La première fois que tu l'as fait, ça n'a pas vraiment marché. Mais là, ils te ramènent présentement, puis ça fonctionne bien. Tu peux-tu le bloquer? Ça ferait-tu ça? Ah, man, c'est niaiseux, j'ai une Switch, moi. Ouais. De toute façon, depuis ma commotion, j'ai une Switch. Je n'entends rien. C'est Véro qui m'a dit de. Ok, mais donc, vous n'étiez pas déprimé, mettons, les dernières années de voir comment ça allait. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs. Écoute, moi, je suis arrivé, là, puis 2019, ça a été le changement de l'année. Ils ont fait en fait leur playoff, mais je pense qu'il y avait eu un stretch de quelques années sans faire les éliminatoires. Ouais. Fait qu'ils ne font pas les éliminatoires depuis quelques années. Puis là, moi, quand j'arrive en 2021, ben là, on gagne, est-ce qu'on fait les séries éliminatoires, on perd. Ouais. Notre premier match, fait que les quarts de finale. Okay? Après ça, la deuxième année, on gagne le premier match, on s'en va en demi-finale, on le perd. Puis là, cette année, on gagne la demi-finale, on s'en va en finale, puis on est comme crème, on va le perdre, puis l'autre année, on va gagner, mais au moins, non, on l'a gagné cette année. Mais tu sais, on voyait une progression. Fait que quand je suis rentré, j'ai toujours vu une progression avec l'équipe. Fait que j'étais pas comme dans genre, hey, c'est difficile, tu sais, tu vois une progression, mais quand tu commences au début de l'année, tu sais, moi, j'ai jamais eu une année, à part cette année avec les Alouettes, stable.
ma première année pandémie. Ouais. Ouais. Pandémie, là, je veux dire, je sais pas si vous savez, je me suis fait mettre un Q-tip dans le nez au moins 100 fois de plus. Ouais. Je veux dire, à chaque pratique, il fallait rentrer puis se Q-tip. Ouais. Ouais. À un moment donné, je veux dire, c'est chiant puis c'est les restrictions. Je veux dire, on se rentre dedans, mais il faut être à 2 mètres pour des meetings. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, je te bloque dessus, je te tousse, mais tu sais, dans le meeting, comme, non, 2 mètres. Fait que ça a pas de sens, mais tu fais qu'est-ce que tu fais le possible pour respecter. Ouais. Puis là, la deuxième année, là, c'est avec le propriétaire qu'on parlait. T'sais, l'ancien propriétaire, lui, là, sur Twitter, il goait. Puis nous, on voit ça aussi des fois. Je veux dire, notre carrière partant, okay, Vernon Adams, qui est rendu à BC, il perdait sa place pour Trevor Harris cette année-là. Ouais. Puis, mais c'était encore une compétition. Puis lui, il fait un post sur Twitter où est-ce qu'il est avec l'autre directeur général de Edmonton. Puis ils sont de même, puis ils prennent une photo ensemble, puis il y a une feuille juste là. Mais il y a des pointeurs dans la feuille. Puis si tu zoomes, tu vois des commentaires. Puis dans les commentaires, c'est Vernon Adden trade. Le gars, il l'a appris sur cette photo-là, plus du personnel aussi qui se faisait renvoyer. Mais genre, il y a plein d'affaires. Puis là, lui, il était sur le terrain. Puis là, après ça, juste avant, quelqu'un le monte texte, puis ça va viral. Puis voir Danny, il dit « Oh, c'est quoi, tu vas me trader, genre? » Avant que la game commence, tu sais. Fait que tu sais, ça a été… Il y a eu bien des affaires comme ça. Puis à la fin, tu sais, le plus triste pour moi, c'est que c'est la demi-finale de l'année passée. Ouais. Notre propriétaire est assis du bord de Toronto. Fait que tu sais, c'est comme… Fait que tu sais, c'est toutes des affaires comme ça. Puis là, cette année, oui, ça a été difficile, mais on est arrivé, puis il n'y a eu aucune distraction avec ça. Ouais, ben c'est ça, il y a une stabilité, là. Une stabilité, puis là, ça découle, l'organisation, là. Non, c'est clair, ça paraît, stable, t'sais. Fait que là, nous, c'était juste à nous de pouvoir exécuter. Danny, c'était ton coach à Montréal pour les Carabins? Ouais, Carabins aussi. Fait que ça fait longtemps qu'il te suit, lui. Depuis 2016, ouais. Ah, quand même, hein? 2016, ouais, ça fait longtemps, là. En tout cas, ce gars-là, quand tu as gagné, là, de voir la face, il y a quelque chose de très satisfaisant. Ah, de lui, le voir. Il avait gagné pour son équipe d'enfance. Il y avait quelque chose de très, très, très rassurant. Je sais pas. Ça faisait du bien, ça. Tu sais, ton fameux speech à la fin de la game, là. Lequel? Que c'est ça. Que tu t'es parlé partout. Mais comment vous prenez connaissance de ça? Oui, tu sais, tu me parlais, tout le monde en parle, là, que il y avait toutes les Cup Grey à place de... Ben, les médias. De Grey Cup, à place de Cup Grey. C'est les médias qui vous ont fait aller là-dessus. C'est Didier. Didier qui a fait sa vidéo, je pense que ça a été un quart de million de views, genre, quand il l'a posté sur Twitter. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu arrives là-bas, pour être bien avec vous, moi, je suis arrivé là-bas, je l'ai remarqué, mais tu es tellement concentré. Ah oui, ça, c'est que tu es game mode, là. Mode, c'est comme toute la semaine, tu as des médias partout, t'es tellement à droite, à gauche. Ouais. Puis Didier est arrivé, puis quand il a vu, il a mis une vidéo, puis après, c'est venu à mes oreilles. Mais moi, la grosse affaire pour moi qui me vraiment... Ça, c'était... OK, ça, c'est que ça commence. Mais moi, la grosse affaire, c'est quand j'ai mis le guide. Okay. Tu sais, quand tu vas se mettre, tu mets le guide. Je vais vous montrer la photo. Je veux dire, je pense pas que le monde va le voir à la maison, mais... pour vous comprenez. Non, mais quand tu faisais guide sur ta télé... Puis tu vas à la Cup Grey, dans le fond, tu flashes à droite. Mais la semaine d'avant, quand t'allais voir la semaine prochaine... Non, on était genre le jeudi, puis on joue le dimanche. Puis si tu vas au guide, c'est ça que tu vois. Ouais, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux. OK, c'est ça. Toronto. Toronto contre Winnipeg. Fait que si tu vas sur le guide... Il l'avait prévu genre des jours d'avance, ça va être Toronto. Mais c'est correct que tu le prévois, mais tu sais, là, on est rendu le jeudi, là. Tu peux juste marquer finale de la Cup Grey, là. Fait que ça, puis juste l'article de la fin, tu sais, quand on a gagné, l'article, ça c'est normal, OK? Quand les articles, qu'est-ce que tu vas faire, c'est, tu vas écrire un article que si Montréal gagne ou si Winnipeg gagne. C'est normal, les deux articles sont prêts, right? Surtout quand ça se joue sur le dernier jeu, là. Mais tu sais, les deux articles sont prêts. Fait que t'en publies un ou l'autre. Mais eux autres... Le contenu de l'article était « Les Alouettes ont gagné », mais le headline était genre « Blue Bombers ont gagné leur 3e en 4 ans, la dynastie quelque chose ». Fait que moi, c'est là que j'ai réalisé, tu sais, t'as pas un deux, tu sais, je disais, ça me semble que c'est un article, ça veut dire qu'eux autres, ils avaient peut-être pas écrit l'article pour Montréal, puis ils ont dû peut-être le patenter dernière minute ou quoi de même, puis ils ont pas réussi à... Fait que si c'était juste toute la semaine, t'étais juste... Tu te battais pour essayer juste d'exister. Tu te sentais que t'es comme, vous êtes chanceux si vous avez gagné Toronto, mais c'est Winnipeg, puis c'est... Ouais. Puis, tu sais, c'est ça qui était vraiment comme moi le hockey, le moteur. Le moteur. C'était un coup de marteau par-dessus coup de marteau par-dessus coup de marteau. Mais, tu sais, ce dernier jeu-là, et puis, tu sais, je dois l'avouer, là, je l'ai regardé souvent, cet extrait-là du dernier jeu, tu sais, qui puis le toucher. Puis la réaction, juste pour les réactions. J'aime ça, moi, les réactions. Je trouve ça beau, moi. Ouais. Tu sais, le feeling, là, quand tu vois le toucher, là, tu sais, puis tu te dis comme, OK.
On l'a eu, man. Ah, il restait combien? Mais ça, c'est le plus tough parce que t'as le feeling, vous êtes dans votre salon, vous criez de joie, vous voulez sauter. Moi, il faut que j'embarque sur le terrain. Hein. Ah oui, c'est 13 secondes pour. Ouais, exact. Puis faut que tu l'éteignes. Moi, c'est l'affaire la plus difficile. J'avais tellement l'excitation qui débordait, mais je me suis dit, c'est pas fini. Ben non plus, s'il fallait que tu. C'est pas fini. Ouais. Puis c'est le dernier, là, dans le fond, ça a terminé aussi qu'il botte le ballon. Ceux qui ne comprennent pas, tous ceux qui sont derrière le botteur peuvent reprendre le ballon, puis ils peuvent. Scorer si jamais j'échappe. Moi, quand j'ai attrapé le gars qui m'a rentré dedans, si je tombe avec le ballon, eux autres peuvent le reprendre puis aller scorer. Exact. C'est vrai que c'est toi qui as fini avec le ballon des mains. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est encore pas fini la game. Tu prends ça pour acquis, mais tu peux faire une mauvaise erreur. Puis c'est terminé. Terminé, puis après ça, il n'a pas gardé ton anglais. Puis est-ce que tu as gardé le ballon? Ouais, j'ai gardé le ballon. Il est chez nous. La ligue n'a pas fait comme on garde, ça s'en va. À chaque fois que tu interceptes un ballon, en fait, tu payes une sorte de fine, là, mais genre, tu peux garder les ballons. Ah ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai une petite hors de fame chez nous. Cette année, j'ai réussi à intercepter toutes les équipes de la ligue. Fait que j'ai 9 ballons chez nous. C'est un pic, même s'il l'a botté. Non, c'est ça, je me demande, mais je pense pas. Ouais, ça c'est serait... une interception, parce que la beauté, je pense que oui. Tu penses? Non. Ou un fumble? C'est quoi? Je pense que c'est juste un dégagement. Je sais pas. Faudrait que je demande. Mais. Les particularités de la ligue. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va te le redemander, le ballon? Comme le propriétaire ou Danny ou Danny va te le racheter? C'est ça? Non, je penserais pas. Parce que je vous le donne pas. mais je suis curieux, par exemple, que si je me souviens de Tom Brady. Ah non. C'est la maladie mentale. Il s'est fait voler son chandail dans le vestiaire après match. Toi, t'as fait quoi avec le ballon? Parce que je vais le mettre dans mon sac. J'ai aucune idée. Moi, j'ai perdu mon casque puis le ballon. Puis à ce qui paraît, c'est quelqu'un de RDS qui l'a donné à mon gars d'équipement. Fait que merci à cette personne-là. T'as laissé ton casque à terre avec le ballon? Le ballon, tout, puis je suis parti. Ah, non seulement tu l'as... Mais le jeu fini, je l'ai. Non, je comprends. Là, tout le monde court sur le terrain, les médias courent. C'est pas comme les arbitres 2 minutes, on va mettre nos équipements sur le terrain. Là, moi, j'ai mon casque, le ballon là, lancé à terre, aucune idée qu'est-ce qui se passe. Puis là, 30 secondes après, c'était ton entrevue, mais j'ai eu aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Là, quand je suis arrivé dans le vestiaire, à un moment donné, je suis comme, je sais pas, il est où. Puis là, j'ai vu dans une grosse boîte. Fait que c'est même pas parce que ça pourrait tellement être un ballon dégonflé de Tom Brady. Tiens, parce qu'il faisait ça, Tom Brady dégonflait les ballons pour gagner. C'est vrai, c'est ça, non? Est-ce que tu as eu du monde du reste du Canada qui t'a envoyé des bêtises? Mais t'es-tu sur les réseaux sociaux? Anglais. Oui, du Canada anglais. Mais ton article, l'article de ton All-Star était bien. Ouais, c'est ça. T'sais, pour être honnête avec toi, je lis pas tant les commentaires. Puis j'ai pas. Mais t'es-tu sur les réseaux sociaux? Mais je suis juste sur Instagram. Je suis pas sur Twitter. Puis Twitter, je pense que c'est là le pire. Fait que je me fais jamais taguer à mon nom. Moi, j'ai regardé. Parce que moi, le soir, j'écoutais le match. Puis là, je switchais entre RDS et TSN pour essayer de prendre les entrevues. Puis comme une bête de ma part, j'ai manqué l'entrevue initialement. Fait que là, mes chums me textent: oh mon dieu, avez-vous vu de quoi? Là, je me dis: bon, ok, ça va être une belle soirée. Je savais pas c'était quoi. Puis là, j'ai trouvé le clip sur Twitter. Puis là, j'ai voulu regarder les commentaires. Honnêtement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires positifs. Ben oui, tout le monde applaudissait. Je veux dire, même du côté anglophone, il y en a eu des commentaires plus négatifs. Ouais. Mais les gens qui. Les commentaires négatifs ne comprenaient pas l'essence de ce qu'ils voulaient dire. Non, mais c'est sûr. Ils l'interprétaient comme si c'était. Puis il y a une forme de racisme pour les francophones dans le Canada. Là. Fait que. Il l'interprétait comme ça. Mais Marc m'a montré un article qui est paru dans le Toronto Star. Qui est extraordinaire, puis qui défendait à 100% ce qu'il a dit, puis a carrément lancé la pierre à la Ligue en disant... Vous avez levé la tête. Ben, ça n'a aucun bon sens ce que vous avez fait, puis il avait tout à fait raison de dire ça. Oui, puis je suis sûr que ça va changer les choses pour l'année prochaine. Je suis convaincu de ça, moi. Ah, ça, c'est la Ligue surestimée, la Ligue canadienne de football. Ah oui, non, moi, j'ai un bon feeling. Mais pour répondre une bonne, ma blonde a reçu un de Linda, qu'on salue, puis c'était excellent son message. Là. Écoute, ça allait au point que vous avez perdu la guerre, man. Vous êtes chanceux qu'on vous a pas anéanti. C'est Linda ou Linda? C'était Linda. Linda. C'était pas Linda, c'était Linda. Je sais pas trop, puis elle m'a montré ça, puis c'était en anglais, évidemment. Puis c'était...
écoute, c'était excellent, là, tu sais, de la rage, là, complète. Puis, elle sortait des affaires, tu sais, limite, genre, j'ai perdu mon char, faut que je me promène en métro, puis toi, tu sais, des affaires qui n'ont aucun rapport. Il y a des gens qui ont. Il y en a quand même quelques-unes, mais. Il y a des gens qui vont pas bien sur les réseaux sociaux. Ah, non. Il y a des dures semaines, puis il faut que ça sorte sur d'autres personnes. Exactement, exactement. Surtout quand leurs amis les ont bloqués, puis ils peuvent pas se. T'as-tu essayé ça pareil, de le taguer sur Twitter, comme. Hey Louis, rappelle-moi. Ben, je pouvais. Ça aurait été bon. Hey, ça a été bon. Je savais tellement pas qu'est-ce qui se passait que je m'étais dit, au pire, rendu à mardi, je vais écrire à Véro. Parce que, tu sais, Véro, puis moi, on s'écrit quand même, tu sais. Puis ben, je voulais pas. Oui. Comme... Souvent. Ah ouais, ben, tu sais, les pics et tout, tu sais. Fait que, fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais avoir le 5 Véro. Mais genre, ma limite, ça va être mardi. Fait que quand je me suis réveillé ce matin, je t'ai envoyé 3 textos. Okay. Les 3 textos, genre, tu me reçois pas, hein, mon esti. Allô, fais juste me dire si tu me reçois ou non. Puis là, j'avais pas de réponse, j'étais comme, OK, là, il y a clairement quelque chose non, qui marche pas. Je veux savoir comment te rendre fou. Fait que, fait que là, je fais un FaceTime à Véro qui travaillait au lit. Est-ce que t'as tout reçu les messages? Non, quand j'ai débloqué, Eric, non. C'est juste que ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Qu'est-ce que tu veux faire, mettons? Tu veux-tu aller dans les médias après ta carrière? Je sais pas ce que je veux faire. Parce que t'es vraiment, tu sais, je veux dire, a... genre, je te voyais, tout le monde en parle, là, puis tu sais, t'es beau. Ben, j'ai vu ton clip à Tout le monde en parle aussi. T'es bon. Le bon quand clip. Quand t'as fait Le Fou du Roi. Ah oui, Merci de ramener ça. Merci de ramener ça. Ouais, bravo. Non, mais on va venir à toi. mais tu sais, je veux dire, tu parais bien, puis. Avec... Mais c'est sûr que ça serait. Moi, est-ce... j'aimerais ça rester dans le football. L'embrasserais-tu? Non, mais j'embrasse pas des. J'embrasse pas des gars. Mais j'ai rien contre le principe, mais j'embrasse pas. J'ai une heure et demie de char venir ici. J'ai une heure et demie de char venir ici. Écoutez ça. Mais je peux dire qu'il est beau quand même. Hey, donc, tu fais ce que tu veux, là. C'est toi qui es. Ok, quand juste, je tiens juste à te dire, là. J'ai dit à une amie à Québec que je salue, là. Puis je vais taire son nom parce que je pense qu'elle va être gênée. Je le dis que je m'en allais au podcast ce soir. Puis elle vous écoute. Elle dit ah, c'est bien, tu vas relever le niveau. Et j'ai dit, Chris, qu'elle va être déçue. Hein? J'ai dit, waouh. Mon Dieu, relever le niveau. Ouais. J'ai dit, waouh. Wow. Je trouve que c'est pour ça ton ça. Assurance. Je trouvais ça. Ouais. Elle m'a donné beaucoup de confiance. Ouais, ouais, c'est ouais. Tout, un peu à bon, défaut de relever la hauteur moyenne. Je peux te Marc-Antoine, tu as envie de travailler dans les médias après ta carrière? J'avais travaillé dans le foot après ma carrière. OK. Parce que pour ma première expérience, c'était Big Brother, puis c'est pas les médias, mais j'ai du monde qui faisait les médias. Ouais. Puis moi, je suis. C'est pas du beau monde. Moi, je suis un gars d'équipe. Ouais. Moi, je travaille. Disons, mon coéquipier fait bien, je suis content pour lui. Ouais. Ouais. Mais dans votre domaine, quand quelqu'un fait bien, des fois. Il s'empresse à le descendre plutôt que ouais, exact. Exact. Fait que moi, je veux dire, j'aime beaucoup le comme football. Comme ça, je fais avec moi. Là. Fait que, moi, je donne une chance, puis Chris, il me fait une passe d'un patin. Je comprends mon point. Mais tu voudrais travailler dans un environnement d'équipe. D'équipe de football. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est le fun de pouvoir commenter des matchs. Je l'ai essayé avec TVA. Sport pour la Coupe Vanier, puis je trouvais ça super le fun. Tu te promènes pour aller voir un match de football en vrai, parce que coacher dans une équipe, ça aussi, ça m'intéresse, mais en même temps, c'est du temps en tabarouette. T'en fais plus que les joueurs. C'est plus de temps que jouer. Exactement, c'est plus de temps que jouer, puis t'as pas le bonbon de jouer. Puis tu mets tout ça dans la peau tu mets tout ça dans la main des autres. Mon contrôle, il est limité. Écoute, puis des fois, je sais pas, quand les coachs vont pas s'arracher les cheveux, ils font les meilleurs game plans, exécutent, genre. Faut juste t'exécuter, dire, OK, je sais que ça va être ce jeu-là, je vais mettre ce jeu en place pour contrer ça, puis ton joueur ne l'exécute pas. Puis ils font un chip, t'es comme, je l'avais fait toute la semaine pour ce jeu-là. Viens de résumer la game des Chargers, mon Sacha. Pourquoi ce fois-là? Non, c'est vrai, man. On n'en a presque pas parlé de ça, excusez-moi. C'est bon, on parle pas de la semaine, là. C'est Chargers, les on va parler de NFL après. Mais je veux continuer encore là-dessus sur. Vas-y, on dirait que tu veux l'engager, là. Ben moi je suis ouvert. Si tu m'engages là, écoute, t'as fait des croissants là, c'est sûr que ça va pas cette qualité là, mais non mais va non j'allais au IGA, tu sais, sont congelés, je fais le four. Pain dans les voies, ça a l'air que c'est super payant dans les boulangeries. mais tu sais, comme genre à RDS, ben TVA Sport, ben, mais ouais. Tu sais, Mathieu Prouf, il est vraiment, il fait un super travail là. Il y a une amélioration d'année en année. C'est le GOAT, honnêtement là, il est incroyable, il est très très bon. Je l'ai vu, tu sais, des fois je vais en studio juste pour promouvoir les games, puis toute l'équipe de foot, toutes les games. Ah oui, toute l'équipe de foot. Ah, mais Pierre Vercherval, Mathieu, Didier sont Mathieu, vraiment Didier, Bruno, Danny Derivo. Qui, tu vois qui s'améliore d'année en année. C'est quelque chose que tu voudrais. Ben, c'est un genre d'équipe. Ben, c'est ça. C'est que j'aime. Des fois, j'y vois, puis je vois cet esprit d'équipe-là que
sais, moi, c'est ça. J'ai grandi dans du sport esprit d'équipe. Vous savez, c'est quoi, genre, tu sais, ouais. comme ouais. juste tantôt, tu sais, on parle. Puis ben, Jean-Philippe était plus dans la selle anglaise, lui, quand il était jeune. Il faisait de la... Moi, j'ai fait des sports d'équipe. Lui, il a fait de la selle anglaise. Fait que, mais moi, je comprends ce que tu veux dire. Là. Tu vas essayer de retrouver cette espèce de feeling. Tu veux pas travailler tout seul comme. T'es pas un loner. Non, c'est ça. Puis, c'est... moi. Rire, là, c'est l'affaire que j'aime le plus. Quand tu peux, ouais. tu sais, nos foot, là, dans les lockers, les jokes qu'on se fait, puis genre, ouais. juste les mots, puis tu sais, ça passe tellement mieux la journée. Fait que, tu sais, je sais que moi, c'est ça que je cherche par après. Puis je suis chanceux en ce moment que c'est un job. Moi, c'est, que mon job, c'est le football. Fait qu'à 100%. C'est qui ça. Ton meilleur job dans le vestiaire? Dans le vestiaire? Oh, ben là, je vais pas en faire des jaloux. Non, ça peut être deux, trois, là. Mais... Écoute, je dirais que. Les d'autres ça, francophones, ça peut être 20, ou c'est pas mal toutes les francophones, allemands, je m'entends super bien avec eux. Vraiment, c'est ça qui est le fun, c'est que tous des anciens soient coéquipiers de l'université ou des anciens ennemis de l'université, mais pas mal toute la gang, honnêtement. Je veux dire, c'est sûr que j'ai plus une affinité avec eux autres. Les Américains, je m'entends super bien avec certains Américains aussi. Ouais. Mais non, le groupe de 10 Québécois dans l'équipe, je veux dire, on est pas mal unis, puis c'est le fun, c'est cette énergie-là. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on est intégré aussi avec les Américains là-dedans. Ils viennent aussi voir, puis c'est... Tu sais, tu sens pas que c'est des petits clics, c'est comme tout réparti. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que tu vas toujours avoir quelqu'un que tu vas mieux t'entendre dans un gros groupe, évidemment. Mais quand tu es capable d'aller dans toutes les groupes puis avoir des discussions dans toutes, c'est ça, cette énergie-là qui est comme, hey, t'as pas ça dans les bureaux de travail, là. T'sais, dans des bureaux ben, de travail. Mais ça, l'objectif dans la vie, ça serait ça. T'sais. Comme pour vrai, là, ça serait ça. C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Puis comme l'objectif d'une équipe sportive, vous avez le même commun objectif, t'sais, c'est sûr qu'il y a ce. Je sais pas, ça nous tire au même endroit. Fait que veux, veux pas, le groupe est plus facile à souder. T'sais, dans une entreprise, à un moment donné, je veux dire, quand tu travailles au gouvernement, là, j'ai l'impression que l'objectif final... L'objectif commun, là, il est plus... Oui, il est plus tough, là. Ouais, c'est tough, faut, là. Faut que tout le monde embarque, parce qu'il y a des joueurs qui jouent, ça, c'est le fun, mais il y a des joueurs qui jouent pas, puis il y a des joueurs qui pensent qu'ils devraient jouer, puis il oui, y a mais des quand joueurs même, qui attendent t'sais. Leur chance, puis qui comprennent pas pourquoi ils l'ont pas. Puis... Ils l'ont toutes leur bague à la fin, tu sais, pareil, là, ouais, la Coupe Grey, tu sais. Mais c'est vrai que c'est tough. Il y a des joueurs que tu le vois, là, que c'est difficile pour eux qu'ils jouent pas, puis ils pensent devraient jouer, puis il faut qu'ils se prennent de semaine en semaine. C'est tough. Ça reste tough, un compétiteur. Là. Ouais. Les, pour ça, à ce niveau qu'on s'est rendu, c'est rare que tu es juste quelqu'un qu'on appelle un Ben Wagon, ou si tu fais juste rembarquer dans l'équipe. Tu fais ça universitaire, puis tu te rends pas professionnel. Tu as l'esprit de compétition. Il faut que tu sois prêt, parce que tu sais jamais s'il y en a un qui va se blesser. Là, je parlais avec un de mes clients qui joue dans la Ligue canadienne, puis on parlait de ça justement, puis je disais que à quel point je trouve que c'est difficile dans le sport professionnel d'avoir des joueurs qui care pour l'équipe, l'organisation, dans le contexte que la façon que le modèle d'affaires est bâti, il est très individualiste, surtout au football, où est-ce que tu peux être coupé n'importe quand. Mm-hmm. Fait que l'équipe te coupe quand elle veut, l'équipe te rétrograde quand elle veut. Tu peux faire trois mais équipes après ça, l'équipe s'attend à ce que tu sois un team tout. Player. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a comme une espèce, des fois c'est difficile. Oh ouais, c'est paradoxal dans ta barouette. C'est très paradoxal. Investir émotionnellement. Ouais, là, tu peux... Mais ça, c'est pas juste au foot, même au hockey, même dans tous les sports professionnels. Ouais. C'est pour ça que souvent, il y a beaucoup d'amateurs de sport, surtout aux États-Unis, qui aiment beaucoup plus le sport universitaire que le sport professionnel. Puis au début, quand je commençais dans le monde du sport, je comprenais pas trop, mais de baigner dedans, c'est que dans le sport universitaire, c'est beaucoup plus le sentiment un peu de communauté. Ben oui, vous voulez dans le sport professionnel, c'est tellement une question de rendu de business que les joueurs, ils regardent pour... Le cap. Ben c'est ça. Ouais. Mais... Tu sais, ça me faisait penser, tu sais, on est Tom Brady, il... c'est une joke. Oui. C'est une blague, j'ai rien à dire sur Tom Brady, c'était juste une blague. Okay, mais c'est-tu ton top, Tom Brady? Oui, mon Dieu, c'est son top, beaucoup, il serait son bar. T'es-tu son tibitoire? Non, mais merci l'autre bar qui a entendu. Non, je dirais pas jusque-là, non. Mais j'ai déjà acheté, j'ai la protein, des cassins. Mais en fait, je le répéterai pas parce qu'on est en nombre. On parle de Tom Brady, il y a quelque chose de très intéressant. Mais non, mais je suis un grand fan de lui, du côté clutch de la de sa carrière, puis comment les Patriots sont dégueulasses depuis qu'il est plus là, comment l'étoile de Belichick, Paulie, va-t'en, bon, enfin, Chris. Ça apparaît son accident. Ouais, c'est ça, c'est pas filmé. Mais on fait bien les jokes, mais c'est même pas comme en niaisant que je suis un grand fan de lui, parce que d'être si bon, si longtemps, dans deux équipes, puis là, c'est le système, puis c'est Belichick. Ouais, mais il est où le système, puis il est où Belichick présentement? Puis c'est pas un gars qui avait des qualités athlétiques très élevées. Il était bon dans pas tant de choses, mais là où il était bon, puis ce qu'il contrôlait,
Il y a quand même plusieurs enseignements qui font que je l'admire. N'en déplaise à, au petit monsieur de l'autre côté. C'est tellement. En tout cas, bref, oui, on le sait. Mais moi, c'est la première fois que je t'entends parler. Fait que tu sais, c'est quand même. Mais c'est... T'as dans une grotte? C'est... Non, non, je parle lui. La première fois que tu m'entends parler? Non, non. De Tom Brady? De Tom Brady, je parle. De Tom Brady? Ah non, non, mais non, mais c'est... C'est-tu que t'en parles tout le temps? Si, j'en parle tout le temps. OK, c'est pour ça. J'en parle tout le temps, j'ai plein de chandails, j'ai... Ah, t'es... Ah, pour vrai? J'ai... Oui, oui, c'est quand comme... son bureau est en train de passer au feu. Oui. On était ensemble en Floride. Oui. Et je pense que son plus gros stress, c'est qu'est-ce qu'elle arrive avec ses cartes de Tom Brady dans son une bureau. Une fois qu'il n'y a plus d'employés dans le bureau, OK, deuxième affaire, c'est mes cartes de Brady. Pouvez-vous juste sortir mes cartes de Brady, s'il vous plaît? Je pense qu'elle a appelé un de ses associés pour qu'il risque sa vie. Monte, fais ce que t'as à faire. Va chercher les cartes. Va chercher un saut de pompier. Mais je peux pas monter, pas grave. Prends un saut de pompier, une chaudière d'eau, va chercher mes cartes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon. Puis ça. Mes ballons de Super Bowl. Il est encore en train de parler de Brady? Oui, ben, entre autres, ben, on peut parler de... Est-ce que tu suis le foot un peu? La NFL, t'en regardes-tu? Ben là, je commence, mais honnêtement, avec la fin de saison que j'ai eue, j'étais tellement juste à la FCFL. T'étais pas été, je comprends. Je connais non, non, la base, l'équipe de ton agent pourri, coaché comme de la marde. Oui, ça, c'est vrai. C'est le... Coaché comme la les Chargers de Los Angeles, de la misère. Tu sais qu'est-ce qu'Anna m'a dit hier ou avant-hier? Change d'équipe. Elle m'a dit, pourquoi tu changes pas d'équipe? Pourquoi tu changes pas d'équipe? Ouais. Mais j'ai dit, ça se fait pas de même. Ça se fait pas de même. Je fais pas comme ça, là. Je dis, c'est ça. Je dis, m'appelle pas Louis Morissette. Me promène. Non, ça se fait pas. Tu peux pas changer d'équipe. Parce que Louis Morissette, c'est les Pats. C'est la vie à la mort, tatouée au cœur. Brady s'en va au box. C'est les box. Là, coup, tu peux pas être un fan des box, mais combien? 2 heures. Ben non, c'est 1 heure. Ben c'est 2 heures. c'est 2 heures, je l'ai fait il y a pas longtemps. C'est l'équipe la plus proche de ma résidence secondaire, fait que c'était pour ça. C'est ta résidence tierce, je suis désolé. Ben... fait que ça pour dire que... tu peux pas être un fan des box dans la vie. J'étais un fan des Pats. Puis j'ai regardé les Pats contre les Giants. J'ai eu mal pendant toute la game. Ils sont dégueulasses. Il est bon, hein, le quarterback. Ça te fait pas tant mal. Ah, de quoi tu parles? T'aimes plus Brady que les Pats. Je juge. T'es Brady plus que les Pats. Avoue-le, sans blague. C'est quoi qui t'a fait plus de peine? Mais mettons, les Pats perdre ou de voir, mettons, Brady... Brady prendre sa retraite, c'est l'affaire qui m'a fait le plus de peine. Mac Jones, man, en fin de semaine. Mac Jones, non, mais... OK, mais non, question. Quand Brady est au box, tu as-tu les Pats aussi? Non, je suivais les Pats aussi. Pour vrai, j'espérais par curiosité de voir comment ils font... Ben, je suivais pas mal les deux, à vrai dire. Je suivais les deux. Tout le monde suivait pour savoir c'était quoi les Pats sans Tom Brady aussi. Oui, puis ça me surprend quand même. Puis lui, allait-tu gagner... C'est différent. Ouais. Ah, ben les chics, il repêche mal. Vous avez vu la photo sur son balcon, sur un balcon genre en chess? Ah oui, man. C'est une fille qui a pris ça quand il pille. C'est sûr, il s'amuse bien. Je pense que. Ça va. Il s'amuse, Tom, là. Ça va. Mais regarde, on revient à lui. Mais n'empêche que je l'aime assez pour dire que j'ai pas trippé son dernier commentaire. Cette semaine, qui dit il y a trop de médiocrité dans la NFL. Ben, je dis il y en avait quand il était là aussi. Non, mais je m'excuse. Là, Alex Smith a bien répondu. Là. Ouais. Je veux bien, là, mais Brady critiquait la médiocrité dans la NFL d'aujourd'hui. Ouais. Brady a joué toute sa carrière dans la division du AFC East. Qui est la plus rempli de médiocrité. Je veux dire, on veut bien, j'enlève pas qu'il est bon puis il a réussi des belles affaires, mais la division dans laquelle il jouait. Il y a eu les Jets de longtemps, là. Ben, les Bills avant Josh Allen. Les Bills, c'était long avant que ça devienne quelque chose. Là. C'était JP Losman de carrière, puis ils en ont fait des carrières. Là. Taylor, puis Tu sais, les Dolphins n'avaient pas de carrière non plus. Jalen Hurts. On peut-tu parler de Jalen Hurts en fin de semaine? Oui, parfois. Ben, oui, en fin de semaine, oui. Mais sa victoire sur la dernière drive. Ben oui, c'est ça. On peut-tu juste parenthèse là, là-dessus? Ouais. Jalen Hurts, oui, là, mais c'est rare qu'on va donner du love pour un batteur. Mais Jake Elliott à 59 verges d'ampui. C'est fou, hein? Pour égaliser, pour l'envoyer en overtime. Parce que, cette séquence offensive-là des Eagles avant le botté, elle était terrible. Ouais. Deux false starts sur Jason Kelce, le future Hall of Famer. Le vent, puis tout. À Kelce, deux false starts, ça arrive jamais. Des QB draws qui n'ont pas fonctionné, des jeux qui étaient décousus. Écoute, ça n'allait nulle part. T'envoies ton batteur 59 verges,
Dans la pluie, là. Puis il a passé facile. Il était parti pour 65, quelque chose là, de même, là. Il a vraiment bien réussi. Toujours est-il qu'il a bien fallu battre les Bills. Oui, ça n'a pas l'air si tough que ça, présentement. Ouais. Ah, c'est vrai, t'es un... son équipe, toi? Les... Ouais. Ben non, là. Ouais, lui, c'est n'importe quoi. Il dit, j'ai déjà été fan des Bills. Première fois que je viens ici, déjà été fan des Bills. Ben oui, oui. Il nous dit, oui, oui, les trois années qu'ils sont allés au Super Bowl, c'était quatre. Mais il m'en dit quatre j'avais joueurs. J'avais 10 ans. Je me suis sacré patience, man. Hey, il m'en dit quatre joueurs des Bills. Nomme-moi quatre joueurs des Bills. Hey, man. C'est son équipe. C'est son équipe. Nomme-moi quatre joueurs des Bills. Je vais t'en nommer cinq. Okay, OK, vas-y. Puis je vais commencer par mon préféré. Oui. Le corps arrière. Josh Allen. Les deux demi. Nomme-le pas. Après ça, je veux le centre. Nomme-moi pas des positions. Le deuxième, Chris. Mais ça, c'est mes cinq préférés. Nomme-moi des joueurs, pas des positions. C'est mes cinq préférés. Il connaît rien. Là, tu veux mes préférés. Je te donne mes préférés, man. Rien, pour vrai. J'aime pas les unités spéciales. Il connaît pas de sport. Il connaît fuck all. Mais ça, c'est une job à prendre. C'est pour ça que je te demandais si tu veux faire des médias. Mais ça, c'est un podcast de sport. Si je m'écoute. D'ailleurs, on finit là-dessus. J'ai l'impression que ça fait une heure et demie qu'on jase. Parce que ça fait une heure et demie qu'on jase. Je termine sur un petit face. C'est terminé. J'ai quand même espéré qu'il m'en sorte trois. Qu'il manque par heure. Il a juste nommé Josh Allen. Toi, t'as l'air d'une encyclopédie de sport comparé à lui. Ben oui, c'est ça. Oh, oui. C'est ça que je fais, moi. Oh, oui. Il y a une partie de ma vie, de ma carrière, je m'entoure des meilleurs. Ouais, dans un podcast, du pourri. Comme ça, j'ai l'air vraiment bon. Ton objectif, c'est juste de briller, mon gars. Ouais, c'est juste ça. Médiatiquement, tu t'engages des moins bons. Entourez-vous mais... des meilleurs. Pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que des fois, faut que tu brilles, mon gars. OK, je termine un truc, là. C'était la dernière... C'est pas le numéro de Stéphane Diggs? Voyons, tu le sais, c'est quoi? C'est quoi? On dirait que si je te le dis, c'est comme si tu m'insultes. Tu l'aimes pas! Okay. Il joue pour quelle équipe? C'est 26? C'est numéro 26? Non, non. Arrête, c'est 14. Oh, il savait! Non, mais j'ai dit en même temps que toi. OK, la vraie affaire. Dernière course de F1 en fin de semaine. Tout le monde s'en sac. Personne n'a suivi ça. Complètement. Personne ne suit ça. Ah ben, ça j'ai suivi la F1. Juste attends que Max Verstappen gagne, puis après ça, c'est plate. Je sais, c'est son 19e, sa 19e victoire cette année. T'as-tu vu, il était pas au souper, le dernier souper à Abu Dhabi? Mais je pense qu'il... Il est pas allé au souper de... Non, non, c'est à chaque fin de saison, il se réunit tous les 20 pilotes. Tous les 20 pilotes, il y avait une coupe qui était pas là, par exemple. Ben, je sais que Verstappen n'était pas là, mais c'est toujours un peu, tu sais, des rumeurs sur son attitude. Tu sais, en passant, la fois que j'ai parlé de F1, je pense que j'ai dû recevoir 20 messages de personnes qui avaient des opinions différentes sur tout ce que j'avais dit. Alors, par exemple, j'avais dit que Verstappen, c'était un petit frappé. J'ai dû recevoir 10 messages de personnes qui me disaient, ouais, qui me donnaient tout le pedigree de Verstappen. Ben, d'après moi, c'est tous des petits frappés, là, ces gars-là. Mais ben, c'est... Moi, la dernière fois qu'on en a parlé, là, c'est le retour de Daniel Ricciardo dans le grid. Puis ça, c'est mon héros. Ah oui, ça va c'est... bien son affaire, lui? Non, mais c'est pas grave. Okay. Là. Ben, le char AlphaTauri... Non, non, mais ça a mieux été. Ça a été une meilleure finale. Ça l'a dit, le petit Yuki Tsunoda, qui est son coéquipier, a fini 7e, 8e. Ah, c'est pour la devant dernière Lance course. Ouais, Lance, qui a fait une bonne fin d'année, en passant. Ouais. Après ça, tu sais, j'aurais aimé ça en parler avec quelqu'un, mais personne ne connaît ça. Là, vas-y, c'est vas-y, super vas-y, bien. Non, mais non, mais je veux dire, moi, tu peux dire n'importe quoi. Non, tu vas peut-être te faire pincer par les gens. Ouais, ouais, exact. Non, non, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que cette année, oui, Verstappen a tout gagné. C'est la première fois qu'un pilote remporte 19 courses. Puis combien de courses de suite? 10, hein? Ouais, c'est fourraide, là. T'sais, ça n'a pas de sens. Là. Ça a battu le record, chemin. C'est fourraide cette année. Écoute, il s'endort. Il s'endort. Ben pas, il s'endort, mais je dis, c'est tellement simple ses courses. Il est tout le temps en premier. Il dit des fois qu'il regarde sur l'écran géant les courses. Il est comme un spectateur. Puis pour vrai, il y a eu plein de moments cette année quand même assez intéressants. Alonso qui est revenu. Pour vrai, là. J'ai vraiment trippé cette année, malgré tout. Okay? Malgré tout ce qui s'est passé. McLaren qui est revenu pendant la saison. Juste Alonso, là, ce gars-là. Oui, c'est vrai. J'ai un amour infini pour ce gars-là. Puis une des quotes de l'année, c'est... Je me rappelle plus c'est à quel Grand Prix. Écoute, il y a même... Il est quatrième ou cinquième. En tout cas, peut-être même le podium. Ah, regarde-moi pas, hein, je t'écoute pas. Merci. Okay. Je pense que c'est en Espagne. Puis à un moment donné, il demande, il dit, ouais, Lance, il est dans quelle position? Puis il était 13e ou 12e. En tout cas, beau dépassement. Mm-hmm.
Il regardait l'écran. Il regardait l'écran géant pendant qu'il conduisait, puis il a vu le dépassement de Lance pour lui dire bravo. Puis je trouve que ça, c'est le pinacle du sport automobile, c'est-à-dire être capable de conduire à une vitesse de disjonctée dans la tête. Mais c'est pas son coéquipier, il joue contre, là, autant que c'est son coéquipier, mais tu sais, je sais pas, moi, j'ai adoré cette saison-là, puis j'espère juste que tu vas t'y mettre l'année prochaine, que je puisse pas jaser dans le bar. Parce que je me mets au football, là, je suis capable de Mais il faut que tu dises quelque chose qui l'intéresse. Ouais. Alonso, à un moment donné, supposément, datait Taylor Swift. Ah, c'est vrai, hein, que ça a été dans c'est le... C'est vrai que ça a été... Hey, by the way, excuse-moi, moi, j'ai déjà rencontré une fille, j'ai eu une relation avec une fille qui a déjà daté le frère de Travis Kelce. Comment il s'appelle? Jason? Jason? Ouais. Je dis ça de même, je dis rien. Attends, je manque un bout. T'as daté Jason Kelce? Oui, c'est ça. Non, c'est ça que j'ai déjà... une relation avec une fille qui a daté Jason Kelce. Je lance ça dans l'univers. Je me fais aux réseaux sociaux, Lance Stroll, il sort avec l'ancienne de OD, là, ouais, ouais. Marie-Lou. Ouais, Marie-Lou quelque chose. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est si on se fie à ça, là, exactement. C'est des gens qui aiment voyager en jet privé. Là. Ben, j'imagine. Là, ouais, c'est un tas là. Il était dans un paddock avec lui. Là, ben oui, ben c'est ça. Là, à t'sais. Dubaï. Là, je ah oui, elle était là aussi à Dubaï? Ouais. Ah, OK, OK. Bon, ben c'est ça. Ben oui, mais elle a fait OD, là. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Yep. Voudrais-tu que je te donne un break pendant que tu mastiques? Ou... Non. OK, parfait. Moi, je veux juste dire merci à Marc-Antoine d'être avec nous. Vraiment, moi, c'est mon invité préféré après mon cousin. Et de loin, là. Mon cousin est plate, là. Ton cousin. Il est plate. Juste te remercier. Je te souhaite une bonne semaine de party. Ouais. Après ça, du repos. Je te souhaite de rester en santé. Ouais. J'espère que la dynastie des Alouettes que tu veux installer va fonctionner. Ouais. Mais ben, le football canadien, c'est toujours plein de défis, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements d'année en année. Là, c'est ça. Là, c'est, en ce moment, c'est la saison des agents libres. Fait que, c'est là, là? En février, ça va commencer. Fayardo, okay. T'as signé un an? Deux. Non, non, il était plus qu'un an, Fayardo. Plus qu'un an. Parce que j'ai vu son pied. Il y a quand même pas une grosse saison. Est-ce que ce sera le cheval de l'équipe? Ça, c'est un coup de pied, c'est dur pour toi. Là, mais... Non, écoute, comment il est terminé, c'est sûr que... Alors, on parle beaucoup de la part de toucher, là. Je ne veux pas revenir sur tout le match, mais sur 2e et 18, sa course qu'il a faite. Ah ouais. Ouais, puis sur ouais. 3e essai d'avoir eu les couilles. Le culot. Ouais. Puis la force du bras, c'est ta saison en sa ligne, tu vas single coverage en bas, à maman. Puis tu dis, je vais lancer la balle dans les airs plus pour profond, aller à un jump ball, pour aller avec mon receveur aller chercher sur 3e essai, sachant qu'il y a moindrement qu'il est rabattu, le match est fini. Ouais. Ah donc, je sais pas combien il y a eu de mots d'anglais en ligné entre les mots français, mais j'ai rien compris. C'est ça, mais c'est un ibire. Okay. On s'adapte. En français, garde-les ton anglais, ça va garde-les ton anglais. Faut équilibrer un peu. Moi, je suis désolé, je peux pas... Je pense qu'il faut que je parte, man. Hey, tu aurais-tu le pain dans les voiles, je le souligne puis je le redis. C'est où? Il y en a quatre maintenant. Quatre, tabarnache! Mont-Saint-Hilaire, qui est l'original. Ouais. Ça, Villeray. Saint-Bruno, puis on vient d'ouvrir à Blainville. Ah mon Dieu, le meilleur des quatre, c'est, je me dis, c'est l'original, les autres vous botchez un peu ou... Non, ils sont tous très bons. Parfait. Villeray, hein? Ouais, Villeray. Ouais, Villeray. On va aller au pain dans les voiles. Villeray. Je te souhaite un contrat de porte-parole de quelque chose. Il y a quelqu'un qui va faire ça. Il me semble que t'as une gueule pour ça. Ben, je te dirais que, hein, tu sais, le pain dans les voiles, mais les boulangeries, je te dirais que ça doit pas être. Ça se garoche pas là, pour acheter des croissants quand même. C'est une drôle de business à partir. Mais merci les gars pour m'avoir invité. J'apprécie vraiment. Vraiment merci. Non, non, mais c'est le cas. C'est très cool d'avoir un gars de sa ville venir remporter le championnat. Non, c'était fun. C'est le fun d'avoir les. Je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai d'avoir les Alouettes se restabiliser, tu sais, puis. À un moment donné, on ne savait plus trop ce que ça s'en allait, cette concession-là. Mais là, c'est le fun de l'avoir revivre. Hey, tu sais quoi, Marc? Je disais OK, payé. Il me semble qu'il y a une phase de ça, lui. Toi, tu pourrais vendre des pick-up. Mais ça, man! Ouais. Mais moi, c'est celle que. T'sais, envoie, va chier. Là. Moi, Non, mais ça, on peut te l'enlever puis tu vas pouvoir être. Non, mais c'est bon, ça. Le lait, j'ai vu une pub de lait, là, c'est plus Laurent. D'après moi, tu pourras le. Ah, Laurent, il a saqué le lait? Mais il est rendu d'un croissant. Là. Il est rendu... Non, c'est ça. C'est autre chose. Mangez en plus. Là. Hey, donc, c'est beau. Là. Fait que, salut les gars, merci beaucoup. Merci, ouais, toujours un plaisir. Toujours j'ai hâte de texter mon ami. Avec un link et... ouais, écris-moi. Tu m'écris pas.